Et bonjour à tous. Salut Kamel. Salut, ça va? Putain, mais ça va et toi Kamel? Ça va, tranquille, je suis stressé. Il est vraiment... Crie, c'est bon. Vas-y. Non, t'inquiète, je vais pas crier. Déstresse Kamel, y'a pas de soucis. Y'a que des monstres là, j'ai peur. On moi. Est moi, tous j'ai nuls peur. Mon gars. Oh, okay. J'ai entendu J-Dog, automate. Ok. Étoile, c'est un escroc. C'est un escroc. Étoile, il a tryhard surtout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je joue à Trackmania. Je pense que c'est angle droit et étoile les deux plus forts quand même. Genre, ouais. On verra, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué. J'ai gagné la pour la dernière place. T'inquiète, frère, on va se battre. On va tout donner. Comment on fait? Parce que c'est vrai que c'est marrant. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on se mute pendant les rounds ou est-ce qu'on... J'en sais rien, en fait. Moi, j'avoue, je fais ça parce que sinon, je raconte ma life. Donc, ouais, je pense qu'il vaut mieux se mute. Par contre, on peut se démute entre chaque round et tout pour débriefer. Ouais, en mode ça peut être bien, ça. Et bah, faisons ça, alors. Ah, vous voulez vous mute pendant les... Ok. Moi, je suis là, Rayou, si tu veux qu'on se... Ouais, reste, écoute, vas-y. Moi je serais les chiots de voix, donc je vais vous aider sinon en fait. Ouais, c'est un peu la même. J'ai moi, tellement besoin d'aide. Kamel il va prendre de l'info. Kamel, t'as tout intérêt peut-être. Vas-y, je vais. Allez, vous voulez. Ouais, non, c'est comme vous voulez. Est-ce qu'on explique un peu le concept aux gens, etc. Justement, ouais, ça serait bien. Pour ceux qui. Ouais, c'est toi le host, c'est pour faire tout ça, mon pote. Et tu vas y aller, moi. Allez, on y va, on est parti. Non, mais comme j'expliquais juste avant, du coup, ce soir, donc il y a un affrontement sur GeoGuessr. C'est les céréales Lyon qui nous ont réunis, où ils ont donc imaginé des Roar Maps, où l'idée, en fait, est de. Comment tout simplement, en fait. Pardon, c'est des. Oh pardon, il y a du backup sur la présentation, j'aime ça. Et concrètement, en fait, bah, j'ai trouvé le concept hyper cool, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ils ont créé des maps en fait où bah, quand on spawn, il y a une référence à un lion, ça peut être des statues, ça peut être des trucs de pub, ça peut être des trucs un peu plus, on va dire, soum-soum, qui font penser au petit déjeuner, etc. Des noms de rues aussi, des trucs comme ça. Des quoi? Des noms de rues. Ah, moi okay. J'ai l'info, je vous lâche. Ah ouais. Merci. Nice. Il va y avoir le parc OL. Le petit lion de Belfort et tout. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est dans le monde entier. Donc c'est quasiment comme des map world. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc on a 5 maps ce soir. L'enchaînement, ça va être donc Kamel, la map, comment elle s'appelle déjà? Tout à fait. En numéro 1, en numéro 2, World. En numéro 3, Kamel. Ensuite, en numéro 4, ça sera la map France. Et pour finir, la 5e map. Ah, c'est la dernière, elle est chaude, il m'ont dit. Ah, tu m'étonnes. J'adore le concept. Mel Max. Mais voilà, ouais, sinon il y a un petit doc et tout là, que Link a fait. Donc après, je pense que dans l'ensemble, on a tous pas mal streamé du GeoGuessr. Moi, j'avoue, j'ai jamais participé le dimanche, mais du coup, j'imagine le public ouais, d'étoiles. Le doc, Link. En gros, après chaque round, donc vraiment après chaque round, juste vous mettez votre score vite fait. Ouais, et c'est tout. Hein. Après, il y a 5 pages en bas du doc, vous verrez. En gros, on va faire 5 maps, donc il y a 5 pages. Et dans chaque page, il y aura 5 rounds. Mais on verra ça. C'est ça, exactement. Mettez juste votre score. Voilà. Bah, ok. Écoute, parfait. Hein. Ça va commencer. Écoute, let's go. Hein. Moi, je suis prêt. Attends, t'as déjà tout fait. Alors, par contre, faut faire gaffe à pas afficher les trucs parce que ça, ouais, ça va être. Ouais, juste, je sais pas. Bonne chance avec vos setups. Ouais. Et puis. Juste pas afficher l'URL. Le lien, il va être drop dans on stream ou général? Il est déjà sur le général. Ah, ok, il est déjà okay, sur le général. Ok, on va monter un tout petit peu. Ah, ouais, ok. Yes. Mais. Ah, oui, non, parfait. Donc là, je clique dessus. C'est bon, c'est pas affiché. Wouh! Okay, ah, la petite pression. Je te jure, hein, c'est horrible. Changement de scène et tout. Au pire, les challenges, je sais pas. Si c'est affiché, on en refait un. C'est bon le son? Pas trop grave. Vous me dites? Vous m'entendez là sur Discord? Non, moi de mon côté, il n'y aura rien d'affiché. Parfait, c'est parfait. Très professionnel ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Vous entendez bien les sons si vous voulez que je bouge, etc. Je vais leur montrer, t'inquiète pas, ils vont voir. Qu'est-ce qu'on fait pour, comment ça s'appelle, pour les chats, etc. Chacun gère un peu au mieux, mais le but c'est de pas de spoil ni rien quoi dans les chats quoi. Bah, Emotonly. Ouais, enfin, ouais Emotonly, moi je fais Emotonly généralement. Vas-y, Emotonly. Let's go. Mais on m'a dit que Link trichait beaucoup, du coup, c'était juste pour. Là, je suis un peu en sueur, du coup, mais go Emotonly, du coup. Ouais, Emotonly, ça me va. Hein. Pas grave. Ça tant pis, NP. NP. Bonne soirée à vous. Après, en vrai, aux F, hein. Enfin, je sais pas. Moi, je pense. Non, vas-y, go Emotonly, en vrai. Je sais pas, comme vous voulez.
Ou alors, faites confiance à vos communautés. Ouais, non, mais en fait, c'est ceux qui ont l'habitude de stream, c'est pas le droit aux vues. Bah, le truc, c'est que les infos et tout. Moi, je sais pas. Non, je regarde pas le chat pendant les rounds, en fait. Donc, c'est que je regarde pas. Les mémos de vie ou pas. Quasi pas, quoi. Ah non, mais j'ai pas envie de faire l'inquisiteur. Hein. Moi, je m'en fous. C'est juste pour définir un truc. C'est con. Non, ouais. Mais souvent, ceux qui spoilent ou quoi, ils se font ban dev, donc ils sentent pas, en fait. Ils savent que sinon, ça va être la guillotine. Il y a petite pression, quoi. Hein. Bon, on tente 100 et on essaye de parler son chat pendant les rounds. Vas-y, ça va faire ça. S'il y a des dérives, et ben, on fera de la répression. Ouais, pas de tricheur ici, s'il vous plaît. Est-ce que... C'est une compétition saine. Ok, d'off, là. Vous êtes tous prêts? Je suis prêt, moi. Je suis prêt aussi, ouais. Ouais, je suis prête aussi. Oh, la Allez, pression. Bah 3, 2, 1, start game, bonne chance. Gel. Bonne chance. Ok, on est parti. Irlande. Alors attends, parce que faut le muter là. Du coup, on est parti, les potes. On peut se mettre de l'émoton lié. Me dites pas que j'ai pas de modo. On est donc aux États-Unis, Orléans. On est parti. Full info, 5 minutes pour faire le maximum. Le maximum. Voilà, ni plus ni moins, honnêtement. On est Adélaïde, on est boum, Orléans, USA, Adélaïde. J'aurais dû mettre plus petit, putain, ça j'aurais dû prévoir un peu avant. Ah, mais ça c'est une roar map en plus. Ça c'est une roar map où techniquement il y avait peut-être un lion ou autre dès le début. Ok, d'accord. Bon, on a 5 minutes, on va pas se mettre de pression. Ça fait quelques temps, du coup, que j'ai pas fait de petits géoguesseurs. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir reparticiper, surtout une compète avec quand même de très belles personnes. Link, Étoile, Kameto et Angle Droit. Des gens qui sont très forts. Hein. Donc, notre but, déjà, c'est de... on va pas y aller en loser non plus, mais de pas finir dernier. Ok, potentiellement, c'est du Détroit. Alors, ensuite, pour situer Détroit, Detroit... Où est Détroit? Détroit, c'est là, c'est dans le Michigan. On pourrait être là, on pourrait être sur du Détroit, on va voir. On n'a pas encore exactement d'informations, donc on va prendre le temps. Le but, honnêtement, ça va être de se la jouer safe. Est-ce qu'il y a une 75 vers Détroit? Il y a une 75 un peu au sud qui nous fait bien plaisir, sachant que là, on est en train d'aller au sud, justement. Un mix de 75 et de 375, sachant que nous, on n'a que une 275. Donc, on va savoir, on est soit plus bas, soit plus haut. Il va falloir check tout ça. Cleveland, ouais, ça c'est toute la mif, ouais. 375 là ? Interstate, 200, moi j'ai que 275. On va pas prendre de risque, on va continuer tranquillement. On va continuer, on va voir un peu, mais en même temps je peux longer la 75 pour voir à quel moment la 75. Ah, mais la 75 elle est longue, quoi. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est 675, ça c'est Dayton, 275. Attention à ce que je retombe pas dans mes travers à faire full merde. En même temps, j'ai vu Détroit. Je suis en mode, qu'est-ce que je suis en train de faire? On va pas perdre de temps, on va regarder un peu ce qui se passe. Saint-Joseph High School, Roman Catholic Church, machin, boom, smart job. Parce que si je commence mal, je me connais, je vais me foutre dans la sauce et ensuite, ça va être complexe. On va déjà augmenter un peu la gueule. 75, 75, 75. Ah ouais, mais elle va faire l'intégrale, elle. Je sens que la 75, c'est un cauchemar. La 75, elle fait tout, quoi. Et elle croise... Parce qu'on commençait bien, il y avait quand même une info sur Détroit. Là, je suis en train de me faire toutes les states. Mais la 275, elle est aussi, genre, elle est liée, quoi. C'est quoi cette merde? Là, je suis en train de perdre full temps. Je suis en train de perdre full temps. Full temps. J'ai fait de Floride jusque... Attendez, est-ce qu'il y a de la 375 ici? 376 là. Ok, je suis en train de perdre full temps. On va se reconcentrer. Il nous reste 1 minute 40. Pas de soucis. Ça m'a un peu perturbé là, le truc de 375, alors que... Ouais, c'est bien 375. J'ai mal lu, quoi. Non, mais on est à Détroit. On est 100% à Détroit. On est à Détroit, Eastern Market. Il y a un moment où il ne faut pas non plus qu'on se mette en pression pour rien. Tout se passe bien. Genre vraiment, tout est en train de bien se passer. Il faut juste qu'on voit un peu où est-ce que ça pourrait être plus spécifiquement. Je vois pas la putain de 375 quand même. Hein. Je suis désolé, Saous, Toledo, Dunton, Flint, Dunton, ouais, on est vers le sud là. Moi, je le vois bien là dans le coin, quoi.
Je le vois bien là dans le coin. On n'a pas eu beaucoup plus d'infos pour l'instant. On va voir. 50 secondes. Va falloir limiter la casse. De toute façon, mon souci, c'est que souvent, soit j'arrive à faire du 5000 points tout pile, soit je suis en panique et je choke. Et ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, il y a la 3. Là, ça me parle de prendre la 3. Ça me parle de prendre la 3, Gratiot Avenue. Gratiot Avenue, là je vais vers le Saint-Clair, Windsor. Ça me parle de prendre la 3, la 3, la 3, la 3, elle peut être partout. Je fais un peu de la merde là. Là je fais un peu de la merde. Là on va concrètement à l'est, donc c'est une route. J'ai spawn où ? J'ai spawn là. Il y a pire. Jusqu'au bout, mais... Combien 14 km. 17 km. 10 km, 744 mètres. Oh, bien joué. 20 km. Bien joué, bien joué. J'ai pas tu m'as cassé la gueule, Kamel. C'était mérité. Vous aviez vu le truc de Lyon ? Non, je rentrais au score. J'ai pas trouvé de Lyon. C'est peut-être que j'étais dans un tag, non ? Parce qu'il y avait des graffitis au début, peut-être qu'il y avait un lion dans le graffiti, j'ai pas vu. C'était un lion bleu au spawn. Ah ok. Mais je l'ai vu quand je suis revenu sur le point, c'était la première fois. J'étais en full tryhard. j'ai pris trop peur au début, je me suis dit ouais c'est facile, ok. Après j'étais en sueur. J'ai paniqué moi de mon côté, c'est mais bon. J'ai paniqué aussi et quand vous aviez l'air d'avoir tous trouvé, je suis retourné au spawn en me disant bah attends. Et je l'ai vu dans la j'ai fait ah bon. Les lions de Détroit, c'est l'équipe NFL. Marqué. Ah ok, ah, c'est ça la ref. Oh okay. Les refs. Hey, ils sont smart hein, je trouve quand même. Franchement pas mal ouais. Sur l'idée et tout c'est... C'est la ref. Pour l'élément au début on nous dit qu'il est tout le temps sur le premier plan. Genre il n'y a pas à bouger, juste à zoomer la limite. Ok. Ouais, bah, on le reverra à la fin. Je vous avoue que si je l'ai pas en 3 secondes je rush, hein. Je m'en fous. Je trace. Non, moi je trace et je reviens à la fin pour le montrer, t'as vu. Ok. Bien joué. Bon. Je suis prêt pour la suite. La même. C'est bon. Ouais. 3, 2, 1. Go. Allez, on est reparti. Bon, on a été un peu bancal au début. Le Palais du Louvre, bienvenue. Bienvenue. Palais du Louvre, Paname Zoo. Musée du Louvre. On est sur les quais. On est où exactement? Je vais te dire ça tout de suite, mon pote. Ah, mais là, c'est quoi? Ah oui, là, tu descends pour aller à Concorde. Enfin, pas du tout à Concorde, mais c'est pas le pont des Arts. Tu prends quoi, là, déjà? Attends. Ça, c'est pas le pont Neuf, non? C'est... Attends, là, tu descends et ensuite, tu te retrouves vers Opéra. Clac, Opéra. Ouais, on est là, je pense. Ouais, on est exactement là. Ça, c'est la petite arche. Juste ici, si je dis pas de bêtises, là, c'est quai François Mitterrand. C'est exactement là où on est. Les amis, c'est du 5000 puntos, ça. On le reconnaît bien. On le reconnaît à son odeur de 5000 puntos. Je sais pas si vous sentez, dès le début quand on change, il a un petit goût différent. Il y a un petit goût, tu vois, qui... Alors, faut vraiment faire attention, hein, parce que ça se... Parfois, ça se trouve pas non plus si facilement, ce petit goût-là. Et là, ensuite, juste, on va pas faire de la merde, histoire de... parce que c'est quand la prochaine, le prochain virage, c'est là et c'est ici. Moi, j'aurais bien mis ça. Hein. Si on retourne au start, on est exactement là. Pour assurer, je peux te le mettre là. Mais je pense bien que. Je pense bien que c'est ça. Hein. Chez. Mais non. Ah si, j'ai 4999. Oh, mais non. Oh, je me suis. Oh, je me porte des lions. Mais quel trimard. Bon, je perds un point. Mais je suis un plouc. Oh, le plouc. Il est là. En vrai, je perds qu'un point, je me mets trop bien. Mais, Ah, étoile l'a eu. Mais putain, mais... Pourquoi j'ai vu que c'était là, moi? C'est cette putain de... Mais je suis trop con, j'ai voulu faire le mec. Dès que je veux... Mais en plus, il n'y avait pas ce putain de truc par écrêpe. Bon, tout va bien. Tout va bien. Un petit 4999. Ça reste quand même solide. On perd qu'un point. On en a mis un peu, on a mis 45 à étoile sur le move d'avant. Ça change rien du tout. Sur un point, ça change rien du tout. C'est juste un manque de rigueur. C'est juste manque de rigueur. C'est ça va, mais c'est vrai que c'était quand même con.
274 mètres, mais ça, parce qu'en fait, c'est map monde. Et comme c'est map monde, du coup, ça va. Bon! Va falloir que je me concentre. Petit cadeau, je suis pas souvent sur tes lèvres, mais je te soutiens du mieux que je peux. Continue, t'es simplement le meilleur. Merci beaucoup, Zora, c'est très gentil. Attends, je vais laisser allumer comme ça. On va voir. Trop sûr de toi. Ouais, un peu trop sûr de moi, là. C'était con, parce que c'est ça. En fait, ça, c'est le pont qui passe sous les Tuileries. Du coup, c'est quoi, ça? Place du Carrousel? Ah, mais c'est là où il y a le truc... Attends, je reviens à la base. Place du Carrousel, c'est pas un truc de Jeanne d'Arc ou je sais plus quoi? Là-bas, il y a... Et ouais, c'est là, ensuite Opéra. Ah ouais, c'est dommage. Nitram, merci pour le Prime. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Clairement, 5000 puntos, not stonks. Dans la compète, ils apportent quoi, Lyon? Ils sponsorisent la soirée. Lyon, ils sponsorisent la soirée. Et du coup, là, on joue sur les maps. Et du coup, bah en fait, là, par exemple, tu vois, ils ont mis... je trouve ça cool parce qu'ils ont pas voulu faire un truc, t'es forcé. On sponsor une soirée de streamer sur GeoGuessr, une petite compète et tout, et on force le truc à tout prix. Juste, on met des rêves, quoi. Là, c'était la porte des lions et tout. Moi, je trouve ça... je trouve ça smart et ça fait plaisir. Les quoi? Non, je vais relancer Kamel. Je vais lancer Kamel pour... pour les prochains Roar. Ok, ça veut dire que c'est ça. Oh, le camel qui est en train de se rapprocher. Après, c'est ça. Le camel qui se rapproche, mais... clique sur le drapeau pour... Non, mais je suis un idiot. Je suis un idiot fini. Ah, il s'est planté comme moi, je pense. Parce que là, du coup... Tu vois, en fait, ici, tu passes sous les Tuileries. Plutôt map faite par Lyon. Et... Lyon... Non, c'est les céréales Lyon. Grand frère. Je précise, c'est les céréales Lyon. Et au passage, ça, c'est des maps qui seront publiques. Et si jamais vous voulez ajouter aussi des spawns, etc. Mais non, elle est là, en plus, okay. Là. Enfin, c'est pas Jeanne d'Arc, en plus. Mais du coup, c'est quoi la place du Carrousel? Ouais, je sais, mais je comprenais pas pourquoi il y avait un autre point. T'es juste max, c'est en fait. Moi qui avais troll. Ouais, en fait, t'as juste gagné, mec. Ouais. C'est juste le boss, en fait, Kamel. Ah, c'était vraiment dur, hein, les gars. Ah oui, non. Attends, je me suis planté de... Mais en fait, ouais, du coup, c'est monde, donc ça va, parce que j'avoue que 274 mètres, j'ai pris 4999 points, donc... Ah ouais, tu t'es détendu sur le point. Ah oui, t'es tu t'es dit je vais guess. Ouais, je me suis. J'ai fait le mec un peu, ça a pas payé. Ah, un point, ça va, c'est cool. Ouais, au final, c'est tranquille. Bon, bah, un mètre. Allez, nice. GG à tous. Ouais, je me hais parce que c'était marqué Porte des Lions et c'était marqué clairement sur la carte en fait. Ouais, Lions, ouais. Ouais, il y avait écrit Porte des Lions, je l'ai vu à la toute fin, j'étais en mode. J'ai pas fait gaffe. Ouais, moi aussi. Moi j'avais même pas vu Musée du Louvre, hein. C'était jusque là donc. Bref. Il a peur de gagner ça. Vas-y, 3. 2... Attends, deux secondes, deux petites secondes. Dis-moi, t'inquiète. Y'a pas de soucis, je te dis ça tout de suite. Vas-y, tu peux y aller, mec. Let's go. Ouais. 3, 2, 1, let's go. Allez, on est parti. Oh, le Lyon Publicidad. Hey, ils se sont chauffés quand même. Hein. Grafica, machin. On est où? On est en Amérique du Sud là? Ils ont pas mis un petit. Une pression laser. Oh, on est dans une radio, servicio des radios, San Cristobal, des las, je sais pas quoi, qui a passe. Dum. On est à San Cristobal. Hein. San Cristobal de je sais pas quoi. Mais San Cristobal en tout cas. San Cristobal à fond de notre côté. Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez, avançons un peu. San Cristobal. Putain, c'est stylé par contre. Hein. C'est des trucs de street art, etc. Ça rigole pas du tout. Hein. Alors, hotmail.com, on n'en peut plus. San Cristobal. DLC qui a passe. San Cristobal DLC qui a passe. Ok. On va chercher de l'info un peu plus. Putain, mais c'est hyper mignon. C'est quoi? C'est Mexique ça? J'aurais dit un truc comme ça de base. Mais c'est hyper mignon. Ouais, dans le chat, pas trop d'infos les potes, parce que histoire de pas passer pour des cheaters quand on va gagner la soirée, quoi. Finir dernier. Barrio, El Serio, qu'est-ce que tu me dis, toi? Il y avait ce coup-là des Mathematica, là, c'est marrant, mais bon. Tu me donnes pas trop d'infos, toi. Hein. Mais c'est là où a été fait... Merde, comment il s'appelle le film de Disney? Dental. Là, je fais de la merde. Là. 3 minutes 20, faut accélérer, là. Faut accélérer là, parce que là, là, San Cristobal, moi je l'ai... Oh là là, en plus c'est vraiment... San Cristobal, c'est des Las Casas qui a passe. San Cristobal, c'est des Las Casas qui a passe. Ça a l'air d'être hyper mignon, hyper connu limite quoi. Tu sais, c'est genre... c'est tout chou quoi.
Faut pas que. Vas-y, commence pas à paniquer là, toi. On y va. Je vais beaucoup me parler, hein. Je vous préviens, si vous m'avez jamais vu sur GeoGuessr, vous allez voir, c'est un peu un tête-tête. Vous êtes mes psys, quoi, hein. Nozar, bienvenue. Ah, c'était Coco, le film de Disney, bien vu, hello, ouais. Avenida Barrio de Mexicanos. Bon, Mexicanos, ça fait quand même pas mal, là, en Mexique. Hein. Si je zoome un peu du San Cristo, là, ou du Chiapas. On va continuer à avancer. Mais là, je vais pas dans les bons coins, en fait. 2 minutes 30, on a épuisé 50% du temps. Il y a un peu de montagne aux alentours. Poum, 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 poum. San Cristobal de Chiapas, là. Putain, j'ai pas mis en plus... Merde. Le hashtag ad dans le titre. Parce que c'est une soirée sponsorisée. Non mais frère, je ne sais pas, là, je n'en peux plus là. Flavio Antonio Penigua, je commence à être du père là. San Cristobal, commence à me gaver San Cristo là. Vas-y, return to start là. Je vais de l'autre côté. 1 minute 30, je vais juste avoir le pays, putain, je suis une grosse merde. La div va être énorme là. Vas-y, là, on a besoin de sortir, là, on a besoin de sortir, 1 minute 30, ok, faut clutch. Mais c'est quoi ces petites rues de merde, là ? Infernal ! Groupe des céréales, là, y'a pas sur... je connais même pas le pays, là. On pense que c'est Mexique, mais bon, ça pourrait être 20 000 trucs, quoi. Mariachi, c'est vrai que là, c'est quand même pas mal Mexique, mais... Par contre, c'est incroyable comment c'est mignon, mais... Troisième map, c'est déjà le tilt. Directement... Je pense qu'on est au Mexique, ça j'en suis à peu près sûr. Après, ouais, on est à San Cristobal de Chiapas, quoi. San Cristobal... Oh ouais, il y a tellement de trucs en plus, putain, ça c'est un cauchemar. Ça c'est vraiment un cauchemar, là. Là, il n'y a pas de ville. Hein. Non, je pense pas que c'est... Oh, l'erreur. L'erreur de chercher la ville. Oh, j'étais en full erreur là quand même. Hein. Pozole, La Cruda. Ouais, bon, bah je suis. NL Culo là. Hein. NL Maxi Culo là. San Luis. Je peux mettre par là, mais ça va pas être là du tout. Chiapas, Chiapas, Chiapas. Y'a pas de Chiapas écrit là. Hein. J'ai aucune idée. Je mets ça là. C'est la merde. Putain de... Chiapas de merde ! San Cristobal. Oh, j'ai fait full merde. Attends, Kamel, t'as fait... Totalement trompé. Oh, le choke devant Clutch. Pense... Moi, j'ai choke de ouf, ouais. Les Chiapas, et oui, mon pote, les Chiapas. Merci d'avoir écrit Chiapas aussi grand sur la carte. T'as vu Chiapas, comment il régale. Ouais, il est trop bien. Arrête, tu zoomes, tu vois, tout. Par contre, ah, j'ai pas vu ça, je suis vraiment un enculé. Le quartier c'était dans la merde. Mais, moi je pensais que c'était dans le quartier de Mexico. Parce que j'avais vu Mexico et du coup je me suis dit, bon, on est à Mexico 100%. Ouais, c'est pour ça que tu m'as dit ça. Je me suis dit, mais comment ça, San Cristobal, ça te saute aux yeux de c'est où? Domingo, t'as fait la même que moi? Non, j'ai juste choke. Je sais pas, j'ai cherché Chiapas. J'ai pas trouvé sur la map. Alors que j'avoue que c'était quand même assez obvious, quoi. Tu vois, c'était. Ah ouais, moi je l'ai trouvé à la toute fin, le Chiapas. En fait, je cherchais les villes, tu sais, pour Chiapas, et je sais pas, c'était trop con. 2000 puntos, ça met pas bien. Oh, ça met pas c'est du bien. World, c'est du World, on peut choke. Putain, mais Kamel en pur smurfing, hein. Ah, je suis bien là. C'est... Angle droit, angle droit toujours la tête, points. Hein. Il a perdu 8 points pour l'instant. J'avoue que tout se passe bien jusque là. Faut continuer. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ok, 3, 2, 1, let's go. Bon, va falloir arrêter de... Je suis vraiment un bouffon quand même. The World IS Sky Jump. On est où là ? On est genre à Hong Kong, un truc comme ça ? Macao. Macao, c'est où ? Macao. Macao Tower. Ah bah il y avait marqué Macao Tower aussi là.
Ah, j'ai le seum, putain, pour cette... Je suis trop con, là. J'ai perdu 3000 points. Les 3000 points, ils vont être durs à aller chercher. Hein. Mais ça, c'est comme d'hab. Ça, c'est mes erreurs, ça. C'est mes erreurs où je fais un peu de la merde et ensuite, on s'en veut, quoi. Parce que du coup, bah, on perd des... On perd, comment ça s'appelle, des places importantes. Temple bouddhiste, Crone Plaza... vous l'avez mis où, votre tour, là? Où est-ce que vous l'avez mis, les petits gars, là? Moi, je suis à dispo. Hein. Là, j'ai un peu le temps, si tu veux, donc... N'hésite pas à me dire. Macao, avec un peu de chance, il y a peut-être quelqu'un qui va choke. Xiangzhou, Macao, ça s'arrête où du coup? Macao, j'ai bien l'impression que... Ouais, non, c'est là, là. Temtemdum, Instituto... Bon, après, là, on n'a pas bougé encore. C'était si jamais on le one-shotait. Et peut-être que je ne l'ai pas vu. C'est fort probable, c'est fort probable. Macao Tower. Macao Tower, ça doit être là, sous mes yeux. MGM Macao, c'est de ça dont on parle. Tour de Macao, Torre des Macao. Pourquoi ils ont appelé ça Torre des Macao en mode rue de Torre des Macao. En mode on est à un endroit où on est en Espagne là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça du coup la Macao Tower là? Ça là-haut? Attends, parce que là on va prendre tout notre temps. Je peux te dire que maintenant qu'on a choqué une fois, on va vraiment y aller doucement. Ah ouais, mais là merci quoi. Là ça nous met pas très bien là. Est-ce que c'est ça déjà? Là il y a un rond-point. Pracodo machin. Ça me semble être pas mal ça. Hein. Ça me semble être pas mal ça, sans trop de soucis. On fait juste le tour histoire de. Là ils repartent sur un double truc. Ouais, c'est plus ou moins ça. Boutique de cadeaux. Ouais. Hein. Là, si je vais là, sur la gauche, là, je suis là, quoi, en gros. Là, si j'avance, il se passe quoi? Si, ensuite, on part là-bas, là. Ouais, c'est plus ou moins ça, quand même, non? Et ensuite, si tu regardes de là, vers l'est, ouais, si, il y a ça. Et tu peux traverser. Et là, ça, c'est au sud. Et au sud, il y a ça. Ouais, si, bah, je pense qu'on va le balancer là. Hein. Je pense qu'on va le balancer là. Et je pense que. On va se mettre là, quoi. Là, t'as l'arrêt de bus ici. Donc, on est peut-être légèrement ici, quoi. Sur la droite. Légèrement. Putain, maintenant, je vais être en panique, là. Ouais, ça me semblerait bien, ça. On est à peu près à équidistance. Je te le mets là. Allez. 5000 puntos. Ça met bien. Ça. Bon, je pense que tout le monde va faire 5000. T'es sous le bâtiment, mec. Ah oui, je suis à 22 mètres, du coup. Ah oui, je suis con, c'est une arche. L'arche est avancée. Alors que là, ce que j'ai mis, c'était devant. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on voit ça. Eh ouais, je suis con. Là, les deux routes... ah oui, les deux routes ici, c'est ce qu'il y a les dessous, quoi. Macao, c'est portugais. Ancienne propriété, le tchat de Kameto, Autriche. Mais non, ne rentrons pas là-dedans, les amis. Est-ce qu'ils ont eu... Et toi, elle a eu 5000. T'es vraiment 3 petits points. Un monstre, parce que j'ai fait 5000 points. C'est ça que tu voulais dire? Bah, j'avoue que je suis chaud, ouais. J'avoue que je suis quand même très très chaud, quoi. Mais merci de me le dire, hein. Je comprends que c'est pas facile. C'est pas facile à écrire sur un chat. À quel point je suis fort. T'avais le bâtiment au sud. Mais on a 5000 points, les gars. On a 5000 points, tout va bien. Tout se passe bien. C'est ça, mec, t'es juste instrument. De Lyon à l'entrée du resto. Tu voulais pas mettre... Je l'ai mis. Tu devais pas mettre un... Bah, en fait, non, techniquement, je dois pas mettre un logo Lyon. Après, on peut les mettre bien, on peut mettre un petit logo Lyon. Hein. Parce que moi, dans le brief, ils m'ont pas demandé de mettre un logo Lyon. On va aller rajouter un petit logo Lyon. Parce que c'est pas mal, quand même, ce qu'ils ont fait. Moi, ils me disent pas de le mettre. Moi, je reste en détente, hein, du coup. Hein. Mais attends. Ça reste bien. On va écouter. Mais vraiment, tais-toi, tu sais que... Ouf, heureusement que j'ai fait...
J'ai reconnu les caractères parce que tu m'avais dit il y avait pas la Chine. Ouais. Après bon c'est pas vraiment. Mais ouais, moi je me suis barré du coup et j'étais à Taïwan et tout. Bah ouais, j'étais en panique et après j'ai vu les caractères, c'est pour ça que j'ai rush des panneaux, j'ai vu les caractères. C'est vu que j'ai fait du chinois, chelou, j'ai reconnu. Le portugais. Si, justement, j'étais en panique quand j'ai vu ça. Si. Ah bah. Sauf que je savais pas. Je savais pas que c'était ça. C'est vrai que le toré des Macao là, il a mis. il a fait douter moi de mon côté. Un petit peu, ouais. Pareil. Ouais. Petite panique. Mais j'ai vu la tour à la toute fin, je sais même pas comment j'ai fait pour la louper en me déplaçant en fait. Ah, moi je l'ai même pas vue. Kamel l'escroc. J'ai vu Warner Bros, je cherchais, j'étais en train, comme un fou, en train de chercher partout. Un cinéma. Êtes-vous prêt? Vas-y, ouais, go le dernier. Yes. 3, 2, 1, go. Allez, on part pour le dernier, les potes. Va falloir être aigu de toute façon. Parce que là, on a déjà eu un petit loupé, et ça, c'est dommage. Green flag, qui peut... Non, c'est rien. Ok, on est en Irlande du Nord. Boum, boum, boum. Maintenant, la question, c'est... Ouh, pas mal la taille. Ouais, la taille du logo est un peu grosse. On va se remettre ça juste après. alors, voyons voir un peu où est-ce qu'on est en Irlande du Nord. On est à Lewis Park. Donc ça, déjà, c'est une bonne info. Du bon petit Lewis Park. Putain, le 3000 points perdu là, il va nous mettre mal. Il y a un petit McDo juste à côté. Sauf que c'est rare qu'il nous donne Belfast, ça nous met. On doit être en périphérie un peu de Belfast, non? Très tranquillement. You can demand better. Community Garden. Boum, boum, boum. Où est-ce qu'on pourrait aller pour... on va prendre de l'info exactement pour savoir. Je pense que c'est le mieux. 3 minutes 30. On va pas se mettre en pression. Ouais, East Belfast. Protestant Boys, machin. Le East Belfast. Potentiellement vers là, quoi. Chaud de prendre peut-être ce nom de East Belfast Club. Ouais, ça a l'air d'être très poussé, East Belfast, là. Ils ont pas de nom de rue sur les... C'est chiant ça. Pourquoi ils font pas ça eux? Ah, je vous conseille, hein. Ah, je vous conseille clairement, si vous mettez pas encore les noms de rue, les Irlandais du Nord, hésitez pas. Ah, vous allez voir, ça change la vie, hein. Ah, on peut se repérer. Alors, on Hornby Street. Et on va où, là? Là, je vais à l'ouest, là. Donc, je vais comme ça. Donc, on vient de la droite. On va pas non plus... En fait, je sais pas si je suis sur King's Road ou... Je ne sais pas du tout où est-ce que je suis, moi. On va voir... attends, parce que comment tu... Là, ils vont avoir leur église. Church of the Nazarene. Ok, il n'y a pas de church. St. George Market. C'est pas le bon plan, là, le truc de... Le truc de comment ça s'appelle, chercher juste le church, ça va pas être le bon plan. Là, on va de plus en plus vers la ville. Mais putain, attends, juste là, en fait, il va me falloir, parce que 2 minutes 18, on va commencer à se parler là. Madoli Street, la question c'est, d'où est-ce que je viens moi? D'où est-ce que je viens? Ok, on était sur ça. On était sur ça. Là, on va par là. Là, la rue qui crosse le McDo. Il me faut son nom, en fait. La question, c'est que comment je vais choper son nom? Conswater Street. La petite Conswater Street, là. 1 minute 40. Eh ben, qu'est-ce qui nous arrive, là? Ah ouais, 10 jours sans GeoGuessr, on sent... on la sent, la diff, hein. On la sent, clairement. Hein. On sent danger, on sent difficulté... Ça me pète les couilles, là. Ok, City Airport. A2. A2. City Airport, Ikea Belfast. A2 ou A20? A20. Mais là, on est là, en fait. Ça, c'est Bangor et Newtona. Mais je suis même pas à Belfast. Si, là, c'est la A20. Ça, c'est continuer tout droit sur la A20.
En fait, techniquement, je suis là. Il me faut un McDo, moi. Il me faut un McDo. Fellowship Church Belfast. KFC. Ah, on est quand même pas ouf, là. Là, pour l'instant, on n'est pas... On aurait peut-être dû chauffer un peu, là. On aurait peut-être dû chauffer un peu, c'est con, parce que là, du coup, ça va être elle, la chauffe. Ça fait pas plaisir, ça. Et là, je vais par où, là ? Je vais vers la droite, là. Donc, si je reprends... Là, on est un peu... Mais on est un peu extérieur, quand même. Hein. Putain, je vais nous mettre là, là. Pas dingue. Bon, 4992, on perd pas beaucoup de points. On perd que 8 points. Putain, pas dingue. Hein. C'était où ? Lewis Square. Oh, Arch Hunter et tout. Putain, je suis pas dedans, là. Je suis pas dedans du tout, là. Ouais, c'était un autre Newcastle. 16 km ou 16 mètres ? 16 km, moi. Ah, 12 km, yes. T'as un kilomètre, moi, là. Je me suis fait full bait, j'ai fait n'importe quoi. Moi, heureusement, j'ai vu un Northern Ireland sur un panneau. La même, il a mis bien. Il m'a mis je l'ai pas vu du tout ce panneau. C'était nice. Et après, j'ai vu Newcastle, je me suis dit, oh merde, c'est peut-être une banque. Tout est à refaire. J'étais bien, je suis moins bien. Putain. Mais en fait, okay. C'est un autre Newcastle, je suis trop heureux. Ouh. Ah ouais, là, les. Bon bah, fin de première map, hein. Angle droit, 10 points perdus. Angle droit, incroyable. Ah ouais, je me suis chaud. Rien à dire. La bosse. Eh, Kamel, en vrai, t'es chaud aussi, hein. Eh, je suis là, hein. 24 857. Incroyable. Et ouais, il y a eu un loupé pour Étoile, Étoile et moi tout à l'heure. On a eu tous des loupés, là. Ouais, moi aussi. On a eu le gros loupé sur le Mexique, quoi. Ah, le Mexique, il a pas mis bien, hein. Là, j'ai le 3000 points, je le sens passer, maintenant. Ah non, par contre, elle a fait 24 990 sur 25 000. Ouais. Ah ouais, c'est la batterie. C'est la bosse, hein. En un mot. Ah ouais, ok. Il faut être chaud, là. Ok. Coup dur. Attendez, hop. Donc du coup, pour ceux qui viennent de venir, il y a 5 maps au total. Là, on va faire divers worlds. C'est sympa, ils ont dû se faire chier, n'empêche, pour trouver les lions, etc. Ouais, je crois, il y a genre 200 spots, ils ont dû bien se faire chier, ouais. Surtout qu'il y a eu 3 maps, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il y a 180 spots, un truc comme ça, au total, sur leur map. D'ailleurs, si jamais, hein, ils proposent aussi à la communauté, si vous trouvez des idées avec des lions, des endroits ou quoi, vous pouvez les envoyer. La map sera publique, je crois. Donc, mais j'avoue que c'est très stylé, quoi. Vous pouvez déjà la jouer en vrai, les viewers là. Vous pouvez la trouver. Il y a un mec qui a. Il y a un viewer qui a le lien. Ah ouais, c'est peut-être moi. À un moment, j'ai. De quoi? Il y a un viewer qui a le lien parce qu'il a eu le. Il a fait 24 988. Il est chaud. Ah, dans le challenge. GG là à lui. GG à lui. Putain, solide. 24 988. Vas-y, j'ai ouvert le deuxième lien là. Qui veut lâcher les infos. Bon, un peu dur là sur le premier, les potes. On est 3000 points de retard sur angle droit. Ouais, c'est un divers world. Mais on peut. Là, c'est divers world. Hop. Je suis prêt. Je suis prêt aussi, ouais. Pareil. Attendez, je suis pas prêt. 2 spi parce que. Galère en rapide. Je m'envoie le lien. Hop. En vrai, je pensais être plus nul. Mais après là ça va, la map elle était tranquille je trouve. Ça va, ouais en vrai oh, ça merde, va. Oh merde j'ai trop l'attente, pas... j'ai cliqué sur let's start comme on dit, mais j'ai quitté direct, j'ai rien vu je te jure pro. Kamel. Ah non on doit annuler, non. Aïe aïe aïe. Non non je te jure j'ai rien vu, j'ai cligné des yeux direct. C'est moins 2000. Ok. C'est bon je suis prêt moi. Ah, je suis prêt. Ouais. Je suis prêt moi aussi. Ok, 3, 2, 1, go. Allez c'est parti. On est parti. Bon. Ouais, je vais vous mettre un PNG. Unilever qui fait sa petite pub ici. Où est-ce qu'on est, là? Est-ce qu'on est... Kampala, Windows Silicon Reaper. Où est-ce qu'on est? En vrai, 1 km, c'est pas si mal, hein. Faut vous dire qu'il y a les gens en face aussi. Et que du coup... Cimera, Anil. Je vais ajouter ça juste après. Kiramba Motor. Ok, je crois que j'ai déjà vu Kiramba juste avant. On y est peut-être. Il avait le délire Jamaïque, lui. Alors,
Où sommes-nous? Bon, on va pas prendre d'informations là-dessus, je pense. Je pense que là, on va pas prendre d'informations là-dessus. Et vous savez quoi? Ah, là, on peut par contre. Yayo, putain, ça c'est .com ça. Lamascience.com, ils sont tous en, .com. C'est comme tout à l'heure, il y avait que du Hotmail. On pourrait être. Je sais pas pourquoi, je verrais bien genre Kenya. Je sais pas trop pourquoi, on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté, on va plutôt descendre. Je sais pas si ça va nous donner beaucoup plus d'informations. Mais je me sens assez chaud de descendre. Bitala, Bintade. Putain, ça nous donne pas full info, hein, ça. Ça, ça nous donne pas full info. Bon, Diverse World, là. Vas-y, avance, 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 avance. Euroflex, Warehouse, machin. Ok. Ok, ça part, ça part. Bita Motor. Mais là, ils sont en full... Japanese. Japanese Trucks. Situation de Japanese Trucks. Il nous reste 2 minutes 30. Où est-ce que ça peut être, ça? Kaki Group. Beaucoup UAW. Il y a beaucoup... Ouais. J'ai peu d'infos là. Vortex, merci. Il y avait le logo de la Jamaïque qui m'a donné une info, mais tu sais, genre les routiers, c'est une info légère quoi. C'est où la Jamaïque? Cringos là. Moi j'aurais bien mis la Jamaïque dans ces coins là quoi. Tu vois, j'aurais bien mis. Apparemment... Ah, la Jamaïque est là, ouais. Mais... Kingston, pourquoi il y aurait full info là-dessus, quoi. Ouais, ouais, non, juste que je voyais pas, tu sais. C'est comme d'hab, GeoGuessr, c'est le plaisir de pouvoir à tout moment être ridicule en stream, de pouvoir être jugé par des gens étant considéré comme une giga grosse merde. Ça, c'est un plaisir, ça. Vous savez, c'est un plaisir de streamer comme Palta. Namboulé. On est à Kampala. Est-ce qu'il y a du Kampala ici, là? Pas du tout de Kampala. Hein. Kampala, ça donne une info, quand même. Unem. Islamic. Worship. Napoleon Church. Pentecostal. Putain, c'est où, là? Je sens que je vais pas avoir 20 infos, donc Joker Hotel. Aïe, 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 là. Aïe, 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 là. Oh, vas-y, j'ai la flemme, gros. Là-bas, il n'y aura rien. Ok, 50 secondes. Faut qu'on s'active. Faut qu'on s'active, genre, sévèrement. UMA, c'est quoi, ça, UMA? On est en Afrique, hein. Moi, je pense que je suis en Afrique. Après, en même temps, pourquoi ils auraient Jamaïque C'est un routier, quoi. Attends, on n'a pas eu beaucoup d'infos, quoi. On n'a pas eu beaucoup d'infos quand même. Hein. Kumala. J'ai aucune idée. Je viens de lose là-dessus. Je vais foutre ça au... Je préfère foutre ça en Afrique. Je fous ça au Gabon. Oh, c'était Ouganda. C'est moins pire. Oh, Ouganda. C'est la capitale, Kampala. C'est de la capitale, je crois. Là. Oh là là. Du coup, les scores, faut changer de page. Ouais. Sur le document. Oh, quelle déception, ce stream. Oh là là. Ça va aller, PA, ça va aller. Ah, la capitale de l'Ouganda, inconnue, de mon côté. Il y a 25 rounds.
Non. Moi j'ai vu Kampala, mais je savais pas. Si j'avais pas vu Ouganda, je serais mort. Ouais, moi j'ai vu, à la fin j'ai mis un truc proudly Ugandian et je me suis dit, ah ouais, je suis trop bien, 15 secondes avant la fin. Mec, moi j'ai vu un routier avec les couleurs de la Jamaïque, je me suis dit, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, après tout. au dernier moment, j'ai cliqué genre vers le Cameroun en mode, non, c'est pas possible. Ah bah, GG quand même alors. Je trouvais pas, c'est tellement dur de se repérer dans cette ville. J'ai cherché 4 minutes. Mais moi en fait, étoile, je croyais que tu t'étais placé dès le début. Bah, du coup, j'étais en full tilt en mode comment il a fait quoi. Ville. En gros, j'avais la ville, j'ai mis mon point dessus et j'avais le quartier et je trouvais pas. Je cherchais en mode c'est où. Putain, c'est bien joué en vrai quand même. Hein, c'est, ouais. Et en fait, c'est Mbuya, tu vois, qui est marqué là. Sauf que dans le nom, c'est marqué Nawabuya, du coup, pas de chance. Ouais, ok. Moi, je suis abattu. J'ai oublié, il y a une règle fondamentale, c'est que. En général, les villes, enfin les maps qu'on trouve, elles sont toujours à côté des capitales. Ah ouais ? S'il y a plus de chances en tout cas, mais. Ouais. Plus de chance, mais. Disons qu'il y a plus de chances, mais des fois tu te fais troll. Là, il y a que Kampala qui est prévu, oui, je crois. Ouais, parce qu'en fait, l'Ouganda, il tombe jamais hein, sur Geoguessr. Ouais. Vraiment. Ça, c'est à chaque fois. C'est pour ça que j'ai halluciné quand je l'ai vu, parce que je me suis dit, bah, c'est pas possible. Afrique du Sud au début, sur quoi j'étais parti. Hein, pareil, j'ai cliqué sur Afrique du Sud, j'ai mis c'est écrit en anglais et tout. Jusqu'à ce que je tombe sur un bâtiment miracle. Ah. On y va. C'est parti. Je suis prêt. 3, 2, 1, let's go. Bon allez, stop aux conneries là. On est où là? J'ai fait full merde, je connais pas la capitale. Vous m'avez dit entre les runes qu'apparemment Ouganda c'était écrit en giga grand. Je fais full merde et je suis pas dedans. Je sais pas ce qui se passe, là c'est assez mignon. On est sur un truc un peu pas vraiment tropical, ça c'est pas exactement tropical, ça peut être de la bonne Amérique du Sud, ça. Là, ça c'est de la bonne forêt d'Amérique du Sud, c'est le maillot de la Colombie. C'est le maillot de la Colombie celui-là. 100% il a le maillot de foot de la Colombie. Et il s'est barré mais il a le maillot de foot de la Colombie. On est en Colombie. Je pense qu'on est en Colombie, on est en mode... On est en Colombie pure, quoi. La petite classique de la Colombie. Ok. Je pars sur une intuition colombienne. Putain, il faudrait que... Là, il va falloir que je clutch quelques moves. Hein. Parce que là, j'ai quand même deux trucs où je perds 6000 points en deux maps. Hein. 6500 points en deux maps, ceci n'est pas possible. Hein. Ceci est clairement une erreur. Putain, fais chier. Bienvenidos, Barrio, Brisas del Guali. Eh ben, mon Guali. Ah ben, Brisas del Guali, ça va bien, ça. Hein. Bon, y a... Cartel de Cali, je veux bien, mais Guali... On va attendre un peu. Je vais au nord... Ça, c'est un truc où potentiellement, ils peuvent ne même pas avoir le pays s'ils chattent pas, quoi. Ce qui peut me mettre bien. Putain, on est vraiment dans de la montagne, quoi. Ah, oh, ouais, putain, fuck. Il y a trop d'indices. Moi, j'aurais été bien s'il y avait aucun indice, s'il y avait juste le maillot. Le maillot m'aurait mis bien, là. Ah, oh, ouais, alors, je suis allé du mauvais côté, en plus. Je vais reprendre l'autre côté. J'avais fait quoi, moi? J'étais parti à droite, là, je crois. On va partir tout droit. Barrios del Guali, hein, c'est ça. Le truc, c'est que pour que ça soit sur la map, je pense qu'on est dans du... On est quand même... tu vois, je vais pas me chercher tout ville après ville, quoi. Mais j'ai peur qu'on ait pas beaucoup plus d'infos, quoi. Parce que dans ce genre de truc, on a l'air d'être quand même pleine montagne. Hein. Ah, quoique. On est parti dans la bonne direction, là. Il y a des trucs ici. Ah, il y a la ville, hein. Là, il y a la ville, hein. Il n'y a pas les panneaux publicitaires, mais il y a la ville. Hein. Là-bas, il y a des panneaux, là. Il y a des panneaux qui vont nous donner des indications, là. Despacio Resaltos. C'est-à-dire Despacio Resaltos. Avec plus de mots, comment tu définirais Despacio Resaltos? C'est une ville? Despacio Alto Riesgo. Oh. Club Rotario Honda. Rotario... Putain. Santa Rosalia,
1 minute 30. Merci Red Hot Chili Peppers. Non mais là c'est juste qu'il peut y avoir des accidents. Oh oui, belle. Bogota, la Dorada. Alors attends, je vais au sud et ça m'informe Bogota. Donc ça veut dire qu'on est par là, nous. Ça veut dire... Merde. On est à Honda. Au nord de Bogota, est-ce qu'on voit Honda ? Il me reste une minute. Je peux être assez chaud de... Genre c'est beaucoup plus haut ? Je vois pas ça hyper plus haut, quoi. Bogota... Putain. Attends, si c'est genre une ville un peu connue. La Dorada. Donc on est vers là. C'est-à-dire que c'est Bogota, on doit être sur la 56, si on suit la logique. On n'est pas à Medellin, là. La Union, machin. Rosario de Honda, putain. Plus où vous tapez des barres, Honda. Ok, Honda. Et là, je pense que du coup, ça, c'est la ville, Mariquita, La Palmas, La Esperanza. La Esperanza, on n'est pas vers La Esperanza, on était de l'autre côté, je pense. 4983. Putain, ils prennent full point encore. Putain, t'es trop fort, Link. C'est chaud. 920, bah, Kamel, t'as vu Kamel? Moi, je suis. Il a fait combien, Kamel? J'ai pas vu. 3 km. 3 km aussi. Putain, j'ai fait 6. J'ai trouvé la Honda. Honda est tout petit, en fait. Ouais, mais après, j'ai trouvé un panneau qui indiquait Bogota. Et du coup, ouais, j'ai cherché à partir de Bogota. Ah, ouais, la même. Combien de mètres, étoiles? Si on parle 924. Ah ouais, ok. Putain, au début j'ai rien vu, j'ai juste vu un mec porter le maillot colombien. Je me suis dit, vas-y, va savoir, ils auront rien du tout. J'ai déjà une info, etc. Tout le monde est à moins de 2 km. Moi j'ai trouvé un site qui avait écrit .co. Ah bah on a trouvé la même chose. Kamel, on joue pareil. Ah ça joue 3 km. Eh oui mon pote. Tout se joue dans les 10 dernières secondes. C'est ça. Au début j'ai cru qu'on était aux Philippines, moi quand même, franchement. J'ai failli faire... Putain, les coups durs là. Les Philippines, ça aurait vraiment été dur. Ouais. Ok. Ouh, j'ai été lâché là. Mes deux erreurs... Je me suis... Tu sais que PA, moi je me concentre pour être au moins dans le vas-y, choque un coup là. Montre pourquoi on est la Ligue 2 là, vas-y. Sinon, je vais passer en National, moi. T'es vrai, moi je voulais monter là, faut que je prouve aujourd'hui. Bienvenue Traska. Bien joué. On y retourne. Ok, go la suite. On y retourne, ouais, c'est parti. 3, 2, 1, go. Comme ça sera bien. Bon. C'était bien, mais c'est des monstres. Hein. C'est des monstres, ils vont faire aucune erreur. Moi, je suis trop un mec inattention, enfin, qui est... J'ai un manque d'attention, plutôt, peut-être. Pas sur le chrono, j'ai mis en haut à gauche. On a mis en haut à gauche le petit logo des frérots qui sponsorisent cette belle soirée et qui nous emmènent en Diverse World, dans un espace où il n'y a absolument rien à part Julita et un panneau. Un panneau décisif. Oh, le panneau décisif. Puente Tingo de Saposa. Bon, là, faut pas qu'on finisse dernier, là. Tingo de Saposa, mais frérot, bon, on est en Amérique du Sud, quoi, mais bon. Non, pourquoi je suis revenu là-dessus? On est en Amérique du Sud, quoi. La question, c'est... C'est où en Amérique du Sud? Il y a quelqu'un qui... On est au même endroit, hein. Enfin, même endroit, pas exactement, mais... Tingo de Saposa, je connais pas. Distrito Productivo... Distrital de... C'est quoi, c'est Marcelido, ça? Mercado? Ok, Saposa. Saposa, Tingo de Saposa. Saposa, au revoir. Merci pour tous ceux qui reçoivent, les potos. Merci beaucoup. Putain. Il a l'air d'avoir un fleuve balèze à côté. Pizzana Express. Toi, tu nous aides pas, toi. Pizzana Express, tu nous aides pas. Saposa. Ouais, ben là...
Là, il y a un moment, je vais pas prendre beaucoup plus d'infos. Hein. Si à 2 minutes 30, j'ai pas d'infos, je vous propose qu'on retourne de l'autre côté. Histoire de voir justement si. J'aime bien faire ça parce que sinon, souvent, c'est la sauce quoi. Tu te retrouves à persévérer de ton côté. Tu te rends compte que finalement. Bah, en fait, c'était pas là du tout. Et que t'avais un panneau. Si tu prenais l'autre starter, j'ai envie de dire. Bon, allez. Ah, il y a de la montagne, mais... monte là. Ah, mais ça, c'est juste des ponts, ça. Ça, on n'en peut plus, des ponts, là. On n'en peut plus, des ponts. On allait par où, nous? Ah, je sais plus par où je suis allé. Ah, me dis pas que je me refais la même. Ah, ça serait terrible. Est-ce que je me refais la même, là? Je me refais la même. Je suis en train de me refaire la même. Je suis pas sûr. Non, c'est... Non. J'avais cru, mais... Bon là c'est au paysage hein. Jure c'est exactement la même. Attends me dis pas que c'est exactement la même. Je suis parti dans le même endroit. Mais quel con. En fait tu vois la moto et t'as envie de suivre la moto. Bon on a perdu 25 secondes là-dessus. La question c'est est-ce que t'as une ville ou une info qui va être décisive ici quoi. Parce que là ça peut clairement être... Je pense qu'on va la jouer strat sinon pour l'Amérique du Sud. T'as de la grosse montagne, c'est pas du... On n'est pas là, tu vois, mais on peut être dans cet espace-là, quoi, tu vois. Nord-est du Pérou. Sapo-Soa. Pas beaucoup de fleuves, hein, ici, hein. Les fleuves, c'est là, hein. Les fleuves, c'est au Brésil, hein. Bon, on trouve rien, putain. Sapo-Soa. Est-ce qu'il y a du Sapo-Soa dans le coin, là? Ça en fout. Pas Amazonas, Manaus. Ah non, c'est espagnol, surtout. Mais là, c'est pas du tout. Ça peut pas être au Brésil. Le Brésil, ça aurait été écrit différemment. Iquitos, l'Amazone, Sapo-Soas là dans le coin. Est-ce qu'ils nous auraient pas foutu du Sapo-Soas là un peu là? Là peut-être. Y a pas trop de Sapo-Soas là. Oh, j'aurais dû me faire confiance. Ah oh, vas-y, ils sont trop forts. Tingo des Sapos... Des quoi? Des Sapo-Soa. Ah, oh, ils sont trop forts. Oh, j'avais l'idée au début et... Comment? Et où dur, j'allais le mettre. Je l'ai vu à la fin. J'ai vu moi aussi. La vista. J'ai loupé le... J'ai loupé la vie. 700 km. C'est loser. Ouais, c'est... Moi, j'ai trouvé le pays, c'est tout. Merci à la voiture. Oh, je pensais vraiment qu'on était Mexique moi au début. Pareil, il y a une voiture qui m'a trop aidé. T'as vu la voiture, le drapeau là? Mec, on joue pareil, c'est insupportable. Il y avait le drapeau. Oh putain, j'ai pas vu. Ah, j'ai vu la voiture, peut-être pas le drapeau. Du même, Non, je peux pas sortir du même côté. C'est un village de sauce. Il y avait une petite voiturette comme ça là, drapeau du Pérou. Et là, j'ai dit merci le football, merci. Putain. Oh, putain. Comment t'as trouvé l'angle? Parce que c'est une scène. J'ai vu Tarapoto. T'as vu le panneau, Tarapoto, Bella Vista. Ouais, ok. Exactement. J'ai vu le panneau, mais j'ai pas trouvé sur la map. J'ai bien voyagé en vrai. Incroyable. J'ai bien voyagé. Sapo-Soa, en fait, c'est juste en dessous de là où j'ai mis, putain. C'est côté ah ouais, du putain, c'est dedans, côté du fleuve. Ah, fallait. Après, là, déjà. Après, j'avais vu les montagnes à l'est aussi. Là déjà honnêtement fallait y aller hein, fallait cravacher parce qu'il y avait pas grand chose dans le coin. C'était chaud celui-là. Putain, l'un qui prend la tête dessus là à 38 000 points. 668 points de mon côté. Tout peut se retourner. Ah c'est chaud. t'as mis où l'étoile toi? J'ai mis au Mexique. Ah ouais putain. J'avais aucune info, aucun panneau. J'avais coupé la normale. Comme si j'avais pas la voiture, c'était... Et après moi je me suis dit Bella Vista c'est une capitale d'un autre pays et du coup dès que j'ai vu Bella Vista...
Je cherchais partout sur la map, c'est où Bella Vista, ah, c'est ouais. On est où? Putain, mais j'ai peut-être un concurrent pour la dernière place, étoile, là. Ça met bien, là, ce 668, là. Je te cache c'est... pas. Je revois là, quelqu'un. Je revois quelqu'un là, au bout de la route. Vas-y, on y retourne. Je suis prêt. Vas-y. 3, 2, 1, go. Putain, Link en gros clutch, là. Link en gros clutch. Vas-y, on va pas se faire l'Amérique du Sud de A à Z, là. Ça, c'est l'Argentine, ça. Ça, c'est l'Argentine, là. Putain, la voiture sur le... La voiture Pérou, quoi. C'est tellement dommage. Corpa. Jesus de Machaca. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, le... Petite Argentine, petit... Petite ambiance comme ça, là. Ah ouais, là, je me déçois, là, pour l'instant. Là, c'est maxi décevant, là. Qu'est-ce qu'on peut avoir, ici? Il y a un peu de... Il y a de la plaine. Soit on est... Enfin, t'as peu de plaine, t'as du... On est au Pérou. Hein. On est au Pérou. On est au Pérou, on va voir. Hein. Putain, j'ai pas noté, j'aurais dû noter les deux villes. Ça m'aurait pas mal aidé. Je pense, si jamais je pourrais revenir... Si jamais je pourrais revenir, mais là, on va aller dans la ville là-bas, là. Voir un peu ce qu'on y gratte comme info. Zona Urbana, Cimer. Cimer. Non, mais comme quoi, il y a des erreurs qui sont possibles. Hein. Étoile, il a fait 600. Étoile, en angle droit, elle a fait genre 3000. Elle avait rien lâché comme point. Ça, le souci, c'est qu'il faut mieux faire du 4000 tout le temps. 4500 tout le temps. Que du 1000 tout le temps. Forcément, la logique est de retour. Bon, là, c'est infernal, là. On va se faire... on se fait combien de temps, là comme ça, là. Contrôle militaire. Ah oui, ils te mettent une ambiance, là. C'est quoi? C'est une frontière? C'est Nassau. Ah non, c'est Nassag. Ouh. J'ai cru qu'on revenait dans... Contrôle... Hermana... Transport Cita, Productor. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Bolivie ça, non? C'est Bolivie comme drapeau ça. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Qu'est-ce que c'est comme drapeau? Colombie? Mais non, c'est pas Colombie. El Pueblo Confianza en Ejército. Ejército. Ça m'a l'air d'être, ça m'a l'air d'être pas mal Bolivie, non? Je dis full merde ou... Équateur, non, c'est pas Équateur ça. Oh là là, putain, mais... BO Gouvernation de la Paz. Ah si, c'est Bolivie. C'est clairement la Bolivie là. On est clairement en Bolivie, donc du coup là il faut juste zoomer pour aller voir un peu. Là on est sur une grosse route qui va de est en... Faut que je retourne ici. Corpa. Une grosse route qui va d'est en ouest, qui pourrait être ça typiquement. La route 21. Jesus de Machaca, Corpa. Je le vois bien plus au sud qu'au nord, tu vois, je le vois pas trop là. Moins. Quand même pas mal de montagnes là-bas. Vas-y, prends une info parce que sinon on va pas s'en sortir. Même une route, hein. On n'a pas vu spécialement de route. Non, vous allez vous faire qui? Vous essayez de m'aider, vous en faites pas. Je me démène, j'essaye, mais... Oh là! C'est quoi ça? C'est pas une route, ça? 98-300. C'est quoi ces merdes? 98-300. C'est pas du tout une route. Ça ne servait à rien. Potosi, Sucre... Et là, on fait quoi, là? On fait toujours de...
Non, mais une route qui crosse. Comme bien un autre de la passe. Moi, je peux te mettre là pour. Je peux essayer de te mettre là, tu vois, mais. Je sais pas pourquoi j'ai une impression là sur Rio Grande. Putain, c'est où ça? À peu près là, quoi. Ah, oh, c'était vraiment beaucoup plus Gobierno de la passe, genre c'était vraiment la passe, quoi. Ouais. Et moi j'avais trouvé El Alto. Ah, GG. Je trouvais après c'était trop compliqué. Moi ouais. J'ai 63 km quand même, après on était pas non plus sur un 5000. 88 km. 196. Comment vous avez trouvé ce qui était plus proche? Alors, j'ai trouvé Bolivie. Ensuite, je me suis rapproché, j'ai roulé. Hein. J'ai roulé, roulé, roulé. Et là, comme je mets tout le temps mon point à côté de la capitale, j'ai trouvé Universidad de El Alto. Et j'ai zoomé, j'ai trouvé El Alto. Et du coup, je me suis mis à côté de la route, hein, pour un random. Et voilà. Mais c'est où El Alto? Tu pas loin de la capitale en fait, parce que t'as plus de chances de tomber proche de la capitale. Ouais, t'as plus de chances, et si tu trouves rien, bah tu trouves rien et tu cherches autre part, tu vois. Ouais, et c'est là, vrai. C'est j'avoue, c'est smart, hein. Après, j'ai troll, parce qu'apparemment, il y avait tout. Ce serait pas Kamel qui passe premier? Non, j'y crois pas. Oh, le Kamel! Eh, 1000 points d'avance en plus, hein. Kamel, il est si dangereux ce soir, il m'énerve. Faut pas choc la prochaine fois, faut pas choc. Eh, je sais pas, aujourd'hui. D'habitude, je suis trop nul à ce jeu, et je sais pas, aujourd'hui, ça passe, tout glisse. Truc de fou, c'est incroyable. C'est ton soir, Kamel. C'est ton soir, Kamel. C'est mon soir, là. Est-ce qu'on est prêt? Let's go. 3, 2, 1, go. Ouais, il y avait deux bonnes infos que vous venez de dire dans le chat avec, comment ça s'appelle, la frontière. Et c'est vrai que c'était con, là, que ce soit frontière ou autre. Los Santos. Ah, mais ouais, mais on est vraiment. Ah non, c'est Séville, ça. Ça, c'est magnifique, ça. Séville, c'est où? C'est vers le sud. Séville, 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 mesdames et messieurs, Séville ici. Séville, E803, qu'il faut continuer. Et on va vers le sud. Los Santos de quoi, là, du coup? Los Santos de Maimona. C'est la 682. Los Santos de Maimona. Voilà quoi, hein, Los Santos E803 A66, c'est exactement ce qu'on est en train de suivre. Maintenant, il nous faut juste le bon timing. Los Santos, attends, on peut peut-être reculer pour avoir l'info là, surtout qu'il y a une nationale qui va être pas mal. Une petite nationale là qui peut me Cordoba. Cordoba c'est plus bas, c'est Cordoue. Cordoue c'est là-bas. Cordoue c'est là-bas, ils te disent pas N432. Pour Cordoue, c'est la N432, mais qui est là. Qui remonte peut-être là. N432. Et à un moment, elle doit donc croiser la E803 ici. Et là, on a Los Santos de Maimona. Putain, c'est pas si compliqué. Hein. Il faut s'y remettre, là. Il faut s'y remettre. Hein. Donc, du coup, on doit être la sortie 675, 677, 600, la sortie 682. On est là. Putain, faut que je m'y remette là c'est un peu la sauce là. C'est la sauce, on va essayer de bien jouer, de retrouver du bon point. Ok, donc ça c'est le truc qui est ici. Je pense que je suis un peu plus au sud, je pense que je suis genre là, à peu près. Grosso modo. Oh bah il y avait toutes les infos là. J'ai grid mais c'est passé. T'as fait 5000? Ouais. Putain, t'es là toi. Je pense que ouais, c'est à peu près là quoi. Bien joué, bien joué. 5000 aussi. Ça a marché. J'ai. Oh, je passe deuxième si personne répond. Il faut qu'il fasse 0 PA. Vraiment, il bon, hey, y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Kamel n'a pas entré encore le score. Moi, je sais pas du tout. Ah ouais, j'ai troll de ouf. Bon, ça met bien là. 170 points, putain, Kamel. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? J'ai troll, t'es ouf. Bah, je te jure qu'il m'a trop. Je me suis dit, ah ouais, c'est sûr, c'est là. J'ai fait vraiment exprès, putain. Bon, ça nous met bien. On remonte un peu, mais on est quand même un peu dans la sauce. Hein. Là, le 3000 ici, 1007 et 3000. Je perds 2000, je perds. Pouah, c'est dur.
Perdu 5200 points, ouais, 5800. Sinon, les deux autres là, ils étaient propres, mais c'était assez facile, quoi. Ils étaient assez faciles, et là, j'en fais un 2000 aussi, quoi. Quand je me suis planté, je suis vraiment passé à côté. 41 000, ouais. On va essayer. J'ai étoile pas loin, on va essayer de finir pas dernier. Hein. Je vais essayer de finir pas dernier. Courage, Domingo. Bon, ça va, hein. Ça va, c'est plutôt cool. Après, ils sont forts aussi à côté, hein. Ça a pas lâché. J'avoue que ça fait une semaine que. Je vais commencer à noter les sorties d'autoroute. Ça fait combien de temps dans ce pays? Ah, ça va, étoile, il va l'avoir aussi là. Oui. Celui-là, il était assez simple. Elles sont pas notées, mais... c'est le problème que j'ai aussi. Hein. Domingo en replay. C'était quand ma petite dernière session GeoGuessr? Putain, je savais que j'aurais dû faire un petit training avant là. On va se mettre là. Hein. GeoGuessr, putain, il y a une semaine. 22 juin. Ah, c'est ça, il y a 10 jours. Hein. Aux 4 km. Il y a 10 jours, c'était notre dernier. Sur les 15 prochaines, tu passes seconde. Tu peux faire. Pour trouver. On voit pas le total général. Oh, pardon. Pour trouver quand t'es en pleine route comme ça, j'ai trouvé la route, tous les trucs, mais. Cam, étoile fait 4989. Étoile, on a 1500 points de retard sur lui. Oui, mais pour moi, ça relève de la sorcellerie. En donc, ça va à peu près. Des fois, j'utilise mes doigts. Je pense qu'ils vont faire 5000 tout le monde. Donc, je mesure en doigts. On va faire 5000. Combien de runes au total? Il nous reste 3 maps après. C'est chaud de faire en 6 maps? Ouais, bien vu. On rajoute un Europe. Attends, comment je fais pour voir les scores de tout le monde? Sur le doc? C'est en dessous, dans le tableau, c'est en dessous. Ah ouais, c'est vrai, ok. Ouais. Ouais, t'es premier, Kamel. Ouais. Je te le confirme, t'es bien premier, ouais. C'est bien ce que je confirme. Après, il y aura une map France. Ah, c'est loot, ça, je suis trop nul. Là, on fait une roar map, après on a une petite France. Oh, ok, je me disais, c'est bizarre, je suis premier avec ces monstres-là. Ah ouais, non, map France, je suis trop nul. Ça va reconnaître les fougères. Ah ouais, fougères clairement d'Indre-et-Loire ici. Trop fort. Non mais t'as eu un petit 3600, mais sinon. Monstrueux. Pas de baisse de régime. Hein. Ouais, avec le Pérou. T'as le Pérou. Ah, ça va. T'as trop clutch sur le Pérou. Et même, tu sais, sur le Mexique, t'as clutch. Hein. Ouais, ça, j'ai tout trouvé à la fin aussi. Et en vrai, j'ai eu pas mal de chance, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas de la chance. C'est que de la maîtrise. Que de la maîtrise, ok. Ouh! En vrai, je pense. Ok. Avant le stream, j'ai dit ouais, je me bats pour l'avant-dernière place. J'ai oublié ça, ça va vite. Hein. Ah, ça peut vite bouger, ouais. Ah, clairement, mec. Mais c'est normal, quand tu vois des clips d'étoiles, ils te trouvent une forêt lettonienne. Moi, je me suis dit, ah ouais, là, on est avec des aliens. Des fois, en fait, ça va. Non, mais l'étoile, il met une pression de fou, vraiment. Trop pressé qu'on tombe en Eswatini, là. Bon, je suis prêt, là. Ouais, je suis prêt aussi. Moi, prêt. On passe au troisième là. Ah oui. Ouais, alors. Map. Les céréales Lyon là. Let's go. Là. Attendez, je suis pas prêt. Deux secondes. Très je vais me l'envoyer sur mon autre PC. C'est fini par QYL, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, j'ai un petit moment de frayeur. Ah, c'est bon. C'est. Ok, hop, faut que je me remette dedans là. Allez, je suis prêt. C'est qui Angle Droit? C'est une super streameuse qui stream pas mal d'Angle Droit. Ok, 3, 2, 1, go. Let's go. Vas-y, GL! Ah! Attends, mais. Non! Non! Ah, normal ça? Terrible! Si vous voulez, je refais un autre challenge en vrai. On bah ouais, en peut, vrai. Ouais. Parce que, bon. Vas-y, je le fais vite. Moi, je trouve ça, c'est lourd ça. Ah, ok, au moins j'ai pu voir la tour. Ils ont fait exprès pour que je vois la tour. Ok, bien joué. Ah, t'es juste là. 5000 points. Le tout pile. Sur Discord. Vas-y. Au début, j'étais content, mais après, j'ai. T'as fait XPA quand même, t'as appuyé sur le 5000. Frère, y'a pas beaucoup de victoires, je pense que j'ai à prendre hein, ce soir. Vas-y. Oui, 26 mètres, oui. Ouais, parce que va savoir, on va peut-être avoir. Kamel. On va peut-être avoir une ou deux similaires, comme y'a, ouais, genre 200 locations, c'est possible que. Ouais, y a 200 localisation. Points. Ouais, y'a moyen. Location. On n'a pas eu de chance, c'était au tout début. Je suis prêt. Okay. Je suis prêt. Vas-y, je suis ça prêt. Ça finit par. Vas-y, ouais. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Vas-y. 3, on sait jamais, je demande. 2, 1, go. Ok, les potes. Vopsay, Lavaba, Dehors, tout Esti, Kumparo, machin. On est en Roumanie, du coup. La question, c'est où est-ce qu'on est en Roumanie? Ok, vas-y. On se met dans un mood conquérant. Conquérant, on verra ce que font les autres. Le plus important, c'est de nous réussir notre propre truc. Roumanie, là, faut pas que je me perde. On va prendre grosse artère. Boum, grosse artère, on suit.
grosse indication. C'est ce qu'on voulait voir, ça. Polity, Braila, Foxani. Foxani, ça me dit quelque chose. Foxani, c'est là. Braila, c'est là. Et ça parle de quoi? Ça parle de E85 qui est là, donc ça parle de 2B. C'est de la 2B, c'est de la 2. La 2, c'est où? 2L ou 2B? Ouais, de toute façon, j'imagine qu'il y a un peu de tout. La 2, je sais plus exactement. Alors, sans trou, c'est où sans trou? Bacao, donc ça c'est Galati et Braila, ça c'est si on va tout droit. Si on va en bas à gauche, c'est Foxani. Il y a Centrou qui est dans le coin aussi. Polity. Il y a, ça m'indique pas Brazov. Ok. 2B donc c'est, pardon. Pour longer. Ah, c'est pas la 2B. Je veux pas foutre la merde. Mais je crois pas que ça soit la 2B. Je ne trouve pas la 2B. Excusez-moi. Où est la 2B? Il y a Suceava aussi là. C'est où Suceava là? C'est plus loin. Episcopi, ça va être une petite ville ça. Galati, Braila, 2B. En vrai, si je trouve la 2B, j'ai gagné quoi. Parce que ça va être ça tout l'enjeu là. Mais là, je vais où là? Je vais à l'ouest, là. Là, on est comme ça, là. De D, de N, 23B, 23, 2B. Ok, 2B. Buzot. Buzot, et ils me disent si... On peut être à Buzot, hein. Moi, ça me va très bien d'être à Buzot. Hein. Buzot, et on est concrètement sur la 2B, quoi. On peut être à Buzot, hein. Et ils me disent ensuite... On est là, quoi. E85. Parce que là, je suis sur la 2B, et là, c'est la 2, ça. Ça, c'est la 2 et la E85. E85, 2B. 2B, 2. Ok, donc nous, on est là-dessus, là. On est là-dessus. La question, c'est de savoir maintenant où on est plus précisément, là. Bon, bon point. Y a pas de molle, là. T'as pas grand-chose de... J'ai beaucoup de mal, hein. Moi, je suis pas... J'avoue que là, je suis pas smart, là. T'as, j'ai pas ce truc où d'habitude, j'arrive à vite capter, etc. Mais c'est parce qu'il faut en faire beaucoup, putain. J'ai perdu l'habitude pendant une semaine, et ça y est, quoi. Et ça y est, on est parti, là. Ok, donc si je vais à l'envers, là on va un peu vers le nord. Moi je pense que je suis genre là quoi. Putain, je suis du père. Père. Focus-toi, père. Prends un nom de rue, prends un truc. Tout va bien, c'est pas parce qu'on a de choc un peu. Les viewers, ils ont l'habitude. On s'en fout. Excusez-moi, hein, je vous parle un peu, mais... Non, parce que sinon, tu rentres dans un... Après, tu rentres dans un cercle vicieux de choke où, en fait, tu peux plus t'en sortir, après. Putain. Là, je vais à l'est, là. Je vais à l'est, légèrement sud. Je suis là, mais je suis... Et en même temps, jusqu'à un rond-point. Pas de putain de rond-point. À part ça, et c'est pas le bon rond-point. Ah, je me déteste, là. Et la E85. Il y a toujours des rangs. C'est pas ça, putain. Ah, je me déteste. Je me déteste, je suis nul. Ah, putain, je me déteste. Là, je me déteste fort, là. Là, je me déteste fort. Bon, je perds 10 points, mais c'est pas grave, mais bon, ça fait chier, quoi. C'est pas grave, parce que je suis à côté, et c'est MapMonde, mais... Et 100 km. Ouais. 59 km. 2 km. 17 km, c'est coup dur. Aïe. J'ai pas trouvé. Ouais, bof, hein. Après, ça va, ça se rattrape. J'ai trouvé Buzot, mais... On prend des points par rapport à eux, ouais. Ouais, la même. J'ai eu Buzot sur les routes, là.
Mais ensuite, d'Ambuzo, putain. Ouais. J'ai trouvé Ploesti et du coup, je pensais vraiment que c'était là. J'ai jamais trouvé le nom de la ville. Hein. Je suis resté regarder tout. Je prends du 500 points. Je prends du 500 points. Ville, c'est pas si mal. Roulé, sur genre du Camel, ouais, sur du angle droit. J'ai roulé, j'ai vu un panneau Bucarest. Je me suis dit, ah ouais. Pas si mal. En plus, cet enfoiré de Tal, il a dit, ah ouais, la ville, tu es obligé de savoir. C'est sûr, c'est Bucarest. Hop là. On gratte les points comme on peut. Ah, mais le panneau centre rue, je croyais que c'était une ville. Je suis prêt. On y va. Ok, let's go. Vas-y. 3, 2, 1, go. Alors, bienvenue en Angleterre, mesdames et messieurs. Question, c'est on est où en Angleterre désormais? La classique. La classique, on va aller par là. Bon, ça va, malgré tout, tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que parfois t'es déçu de toi-même, mais tu prends des points, quoi. Et c'est ça tout le but, c'est d'être dans une logique où M50, M5, c'est là. M50, c'est là. On parle d'aller vers Tewkesbury, je sais pas quoi là, Pershore. Pershore qui est là. Et Worcester qui est là. Sachant que du coup, on va traverser un petit fleuve. On est où là? Traverser un petit fleuve, on va au nord. Et on parle de M5, M40. Il est dans quel petit bled là nous? A4, Heritage Center, Riverside. Bon, souvent on est bien au début. Et ensuite là, il faut trouver du... Non, faut que je me mette dedans là. C'est quoi? C'est M50 et M5, mais du coup ils te les mettent un peu loin quoi. Genre, je pense pas qu'on soit si loin que ça quoi. 3 minutes 30, ok, je vais juste vite fait le prendre le temps. Là il m'indique pas des autres dingueries. C'est quoi ça? River Severn. On est sur la rivière Severn. Hein. On est sur la rivière Severn. Hein. Et on passe dessus, hein. Et on passe dessus sur un petit pont. On peut être à Deerhurst, hein. Ou alors on est déjà là, mais on n'est pas là, là. Le truc, c'est qu'on est dans une ville, en fait. On est dans une ville et on n'est pas si bas, quoi. The Boat Inn. Je sais pas où on est plus haut, je pense. Je suis à l'est là. Ok, attendez. On va se remettre bien. Hier shopping. Tu vois ça, normalement, direct je l'ai quoi. Et là, je l'ai pas là. Là, on va au nord. Ok, donc on va au nord. On est obligé de décaler. Mais c'est, ça a pas d'être une ville de merde quand même là. Parce que moi, je suis dans un mood où. Heritage Center. Upton upon Severn. Upton upon Severn. Mais on n'est pas à Tewerky là. Hein. Upton, machin, Severn. Putain, mais j'arrive pas à me repérer quoi, c'est ouf. Là, on arrive là. Là, ça c'est la MIF. Heritage Center. Et là, où est-ce que je suis là? Je suis dans Town Center. Pas un petit nom là, Plukin là? Pour moi, là, s'ils me disent Nord, où c'est Tewerky et plus loin, Pershore. Tewkesbury, là, et Pershore. Et c'est Elgar Root. Gloucester Road. Elgar Root. Putain, mais PA, quoi. Je vais pas vous mytho, j'arrive pas, là. J'arrive pas. Je n'arrive pas à être... si je suis, là. Si je suis. Ça, c'est pas ça, ça. C'est Vernoy. Là, on n'est pas là, là. Donc, on est plus bas. Donc, si je descends, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'Heritage Center. Machin, Apple mes couilles, là, il n'y a pas. The Red Lion. J'arrive pas à trouver. Ça m'énerve! Putain, ça m'énerve! On n'est pas à Gloucester là, c'était Gloucester Road. Je suis désolé.
Je suis désolé, c'est un peu naze ce que je vous propose. J'arrive pas à capter. J'arrive pas à capter sur un truc quand même assez basique, quoi. Je ne comprends pas. J'ai fait tout le truc et j'arrive pas. Je suis débile. Je suis débile et ça me vénère. Ça me vénère de ouf parce qu'il y a rien de pire, quoi. Pff, je vais mettre Deerhurst, mais c'est... Oh, c'est up on, up. Pff, je me dégoûte. Ah, j'ai l'air. Ouais, 4 km. Ouais, 8 km. Ah ouais, 11. Okay. Pas facile. Sur 309 km, c'est Keima, ouais. Je cherchais sur la côte, moi. T'as fait combien, quand même ? Je vais faire pipi, je reviens. 319 km, c'est fini pour moi. Non, c'est pas fini. Non. Peut-être y avoir 4000 points, là, non ? Je reviens. 3800, ouais. Ah, bon, ça va. Ouais, ça va, c'est petit coup dur, mais... T'es bien. Ah ouais, ça m'a rendu fou, putain, je cherchais au sud de... Bah ouais, moi, je cherchais sur la côte, j'ai fait toute la c'est côte. C'est Wexbury, là, je sais pas quoi. Ah ouais, c'était là, Worcester. Malverne, il y avait écrit Malverne partout. Ouais. Mais en fait, moi, je me suis mis à Malverne, oh, du ouais. coup. Mais vu que j'ai pas trouvé d'endroit ah, où j'ai le seum. White Lion, c'était lourd. J'ai le seum, ton X. Focus Pompeo, on est derrière toi. Ah ouais, je suis désolé, là, j'avoue. Alors, que... Je me déçois sur des trucs basiques ou, tu sais, genre, je sais pas, j'ai focus sur le... En fait, comme j'ai eu... Texbury, genre indication dans un sens où ça allait vers le nord, ce qui est assez con. Je me suis dit que c'était forcément sous Texbury, sachant qu'il y avait une logique, puisque t'avais Pershore un peu plus loin dans la même direction annoncée. Et Worcester aussi dans la même direction. Donc j'aurais dû prendre plus d'infos. Pas de soucis, t'inquiète. Je suis prêt. Tu regardes pas assez les magasins ou autre. Bon, il y avait pas besoin, je pense. T'es prêt, Kamel, aussi ? Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Ouais. Prêt aussi, ouais. 3. 2, 1, go. Bon, allez. C'est quoi ça? C'est la France? C'est la France? On est où en France, là? Ah, on n'est pas en France? Ah, c'est bon, j'avais pas bougé. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, tout est flou, là. T'aurais dû plus bouger. Ouais, ouais, non, mais clairement, j'aurais dû bouger, hein. Clairement, à Mulzouz. Mulzouz. Bon, allez là. Il est où le zone Mulhouse là? Où est-ce que vous enfermez les bêtes? Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Bon, du coup, normalement, on est dans un coin comme ça là. Il y a un petit parking à côté. 500 mètres, ça va faire un peu plus loin. Ça va faire ça, quoi, à peu près. Ça, c'est quoi, ça? Rue de Brueckbach. Truc à peu près comme ça. Si je vous le fais en... Là. On est là et on est, du coup, au croisement, à peu près, c'est ça? Bon, là, ça, c'est pas mal, ça. Ça nous met bien, ça. Un petit 5000, mais je pense que tout le monde va faire 5000. Je vois pas les gens ne pas faire 5000 là-dessus, quoi. On est d'accord qu'on est juste en face, hein. Et que là, c'est rue de... Ça, c'est là. Rue du Champ des Oiseaux. Ça doit être celle-là. Exactement. Du coup, nous, on est jardin zoologique. Là, t'arrives, tu vas au sud. C'est exactement ça. Et là-bas, t'as l'entrée. Ok, c'est tout à fait ça. Prends le petit 5000 puntos. Oh, il se met en confiance. Pour la première fois, peut-être. On est premiers, les potes. Avec 5000, j'ai plus de 5000 points d'écart avec Link, putain. Je sais pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Va falloir grappiller, hein. Là, honnêtement, notre objectif, c'est de pas finir dernier. C'est de refaire... C'est de retourner sur une bonne confiance. Là, on est à 4989, 4953, 5000. On est dans du positif. On est dans du positif. Tu flexes pas assez. Frérot, j'ai 10 000 points de retard. J'ai moins de points de Link que Link, alors que je viens de lâcher un 5 000 ici.
Je suis pas en situation de flex. Je suis en situation de moi-même m'y retrouver, si tu veux. Non, mais là, j'avoue, putain, je me suis déçu sur... Je me suis un peu déçu, okay, quand même, okay, dans l'ensemble. Ça fait chier, quoi. Ah, ça fait fortement, yes, chier. C'est OK. On va voir. On va voir s'ils l'ont. Ça se passe, Kamel ? Ça se passe, mais ils veulent pas me voir, me laisser voir la roue, la rue. Pardon. Ah, c'est trop chiant, ça, sortir du parking, là. Merci. C'est la rue de leur paix ou quoi ? Je merci, Bibi, pour le prime. J'ai trop les nerfs. Vous enfermez les bêtes. Pourquoi vous enfermez les bêtes ? Bon, parce qu'un zoo, c'est concrètement un endroit où... où ils enferment des bêtes, quoi. Je ne peux pas vraiment te dire autre chose, hein. Du coup, c'était quoi la ref au Lyon, là ? C'était le jardin zoologique ? C'était ça ? Peut-être ? Dembouze, merci pour le 7e mois. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on a de quoi encore ? Là, on est à mi-parcours. Là, concrètement, on est à mi-parcours. On vient de mettre un pas dans la deuxième partie. J'ai fait 19 000 la deuxième map, 22 000. La première était facile, hein. La première, là, honnêtement, faut que je fasse. Si je fais... Je peux pas faire moins de 24 000, là. Il y avait une statue à l'entrée. Montre un peu. C'est cool, non ? Vous en pensez quoi de... Merde. Vous... Ah. Vous en pensez quoi de... Ah oui, là, il y a un lion, là. Ici. Putain, ils se sont donnés, hein. Vous en pensez quoi de la soirée et tout ? Je trouve ça cool. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, quoi. Quand des marques captent, tu sais, genre par exemple, ah bah GeoGuessr, c'est cool. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire un truc sympa avec ça ? Et qu'ils y arrivent, je trouve que c'est hyper smart, tu vois. Oh, ils avaient fait des trucs cool déjà, ils avaient notamment sponsorisé la Zilan qui avait permis de le faire. Bah, c'est pas grave. Cool, mettons level, notre stonks. Ouais, honnêtement, gros notre stonks. Hein. Là, j'ai pas fait pendant une semaine et j'ai eu deux, trois doutes. Mais en plus, c'est le pire truc, parce que t'es dans un cercle vicieux quand tu streams et que ça se passe mal, c'est de plus en plus. T'es genre, t'es dans la un rue, truc. Ouais, où vous êtes c'est en sympa. Mode, ah bah non, ah, j'ai mais t'es à chier, du coup, putain, faut que je réussisse le prochain. J'ai abandonné, j'ai pas gagné. C'est bien trop chiant. Pas grave, j'ai perdu 2 points sur ça, mais c'est pas grave. 3 points. Découverte du jeu bien kiffant. Ah ouais, à un moment, j'étais meilleur, là, je suis pas au top. Je suis prêt. Ok. I'm ready. Ready. Angle droit aussi. Ok. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ok, nickel. 3, 2, 1, go. Go. Go, 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 go. Magnifique. Go. Oh, il est beau. Congrès des députés. Congrès des députés, où est-ce que ça peut être ça? Où est-ce que c'est ce petit congrès des députés, les amis? Sachant qu'on est dans du... on est clairement dans de l'hispanique, mais on est... on est même en Espagne, hein. On est même en Espagne. La question, c'est... m'étonnerait qu'on... Ok, ça te colle du Valence. Ça te colle du Valence. Valence par la R3. A1, A2. Est-ce que ça partirait pas de Madrid ? Ça me semblerait logique. Ouais, c'est R3, on est à Madrid. On est à Madrid. Congreso de los Disputos. Attendez, on va revenir un peu. Alors, cahier del Duque, de Medina Celi, The Westin Palace. Ok. Là, je pense qu'il nous faut... il nous faut justement... Donc là, on a R3 potentiellement à prendre. Et il y a A1, A2 aussi dans le coin. On va continuer à avancer par là. Musée del Prado. Ça, il te l'indique bien avant, forcément. Bernabéu, National del Prado. Et là, je vais au sud, genre, je suis là, moi, quoi. À peu près. Santo Domingo. Allez! Je suis chaud d'avoir le nom de cette rue, là, en fait. Ça pourrait pas être... Plaza de la Corte. Plaza de la Corte. Et là, on va quand même pas mal au sud. Hein. On va pas mal au sud. Plaza de la Corte. Là, ça, c'est mon mot. Plaza del Dos de Mayo. Putain, ça, c'est...
Ça, c'est le cœur historique, là. C'est la Porte du Soleil et tout, là. Hein, Puerta del Sol et compagnie. Mais on n'est pas là pour faire un petit bilan, là. On est là pour défoncer ça. Prenons l'info ici aussi. Ah, bah voilà, ça, c'est bon, ça. Paseo del Prado. Là, on avait Calle del Prado. Paseo del Prado. Le truc, c'est que si t'as l'info de ça, Paseo del Prado. Parfait. Et on a dit que c'est les deux qui se croisent. Paseo del Prado. Non, mais du coup, on est beaucoup plus haut, non? Plaza des colonnes. Là, on est toujours sur Paseo del Prado. Paseo del Prado. Ah non, le Paseo del Prado, il est pas très long. Hein. Et il bloque avec Plaza de la Corte. On est là, on est là. Plaza de la Corte, de la Lealtad. On va se la mettre en zoomé, hein, histoire de pas louper. Plaza Murillo. Plaza... Comment ça? Mais j'étais dessus. Je suis où? Plaza Murillo. Madrid City Tour. Non mais là, ils sont mignons, mais... Ils sont mignons, mais je comprends pas. 1 minute 20. On va commencer à se concentrer, là. Plaza de la Corte, mes couilles, on a compris, là. Là, je vais là. Laisse-moi aller là-bas, laisse-moi aller là-bas. J'ai pas envie de devenir piéton, frérot. Je suis déjà dans la sauce. Laisse-moi... Recoletos, là, on est plus au... Recoletos, on n'y est plus, là. Et du coup, techniquement, Musée National del Prado. Le souci, c'est que nous, c'est une rue... Oh, putain, je suis naze. Pourquoi je suis aussi naze, là? Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Nous, c'est une rue qui va vers l'ouest. C'est une rue qui va vers l'ouest. Donc, du coup, Paseo del Prado. Plaza Martín, machin. Mais... Las Cortes. Parfait. Congreso de los Disputos. Voilà. Allez, un peu de réussite, là. Peu de réussite, on arrête d'être nul à chier, là. Et tout va bien se passer. Bon, ça fait plaisir, ça. On va voir si on arrive à gratter un peu de puntos sur eux. Je me mets où, là? Je me mets où? Je suis en fin de place. Je me vois bien là, quoi. T'as une petite route juste ici, là. Ouais, je suis là, quoi. Allez, let's go. Oh ouais. Ok. Ah, tu l'avais trouvé le congrès? Ah non, même pas. Non, j'ai non, link. J'ai trouvé le métro, moi. Vous étiez à combien? Le métro sol. 956 mètres. 170 mètres. 4 mètres, là. Oh, j'ai fait un petit 3 mètres, là. Ah ouais, bien, ouais. Je t'ai trouvé le congrès. T'es allé chaud, en plus. Ouais, là, je... T'as trouvé comment? Ah, j'arrive à vous gratter un petit point. Oh, bah, j'ai vu le congrès. Genre, de manière aussi précise, ouais. Et passé au Del Prado, et ensuite, tu sais, genre, j'ai recoupé les deux rues... Et du coup, j'ai réussi un peu à chater, quoi. Avec le musée du Prado, en gros. Ok, incroyable. Bien joué, ça marche. Bien joué, bien joué. Mais tu vois, ça nous sert à rien, on prend un point. Oh, je prends deux points en bleu droit. 4 à Camel. Vas-y, c'est parti. Ah, les scores sont incroyables. C'est des beaux rounds pour tout le monde, là. Ouais. C'est beau. Tu fais le débrou. Allez. Vas-y. 3, 2, 1, go. Allez, on y va. Au moins, c'est bien ce qu'on fait. Au moins, tu vois, je suis content parce que c'est vrai que là, j'ai été un peu naze. Bon, après, c'est le souci de GeoGuessr, t'es tout de suite très exigeant avec toi-même. Mais c'est normal, c'est le principe. Eh, hey, ils sont beaux, les lions. Ah, les lions, là, c'est du lion de qualité. 5 jours en cinéma. Restez connectés. On est sur quelle place, quelle ville, là? Bellini. C'est quoi, ça, comme ville? Ça vous parle peut-être, ça? Cure gourmande. Open pays d'Aix, c'est Pâques? Ah, bah, on est à Aix-en-Provence. C'est Aix-en-Provence, ça? C'est où, Aix-en-Provence? Aix-en-Provence. Je me dis qu'on est peut-être là. On est sur une grosse place de Aix. Why not? Gare routière. Centre des congrès. Aix-en-Bus. Pays d'Aix. Après, il y a la question de... T'as genre Aix-les-Bains, quoi. Si jamais, on va rester focus pour... Avenue Victor Hugo. On va rester focus, on sait jamais, mais bon... Avenue Jean Moulin... Cours Gambetta. Parfois, Aix peut te bait, quoi. Gap. Je sais pas pourquoi je me suis dit que j'étais dans le centre, là.
Avenue Victor Hugo, Avenue de l'Europe, c'est quoi ça, cette avenue-là? Route de Galice. Bon, on va continuer. Gare d'Aix-en-Provence. Et il me l'a collé par où, là? Gare SNCF. Avenue des Belges. Et je vais genre au nord. Donc je suis vers le bas. Je suis vers le bas et ouais, me fais pas. Après, vu comment il fait beau, on a grave l'impression que c'est quand même du. Que c'est comment ça s'appelle du Aix-en-Provence, quoi. Tu vois, on se dit pas autre chose. On se dit pas que c'est Hôtel Saint-Christophe. Tu vois, pour moi, ça c'est Aix-en-Provence. Hein. Alors, non, je vais au sud en plus, pardon, je suis con. Je vais au sud. L'utilisation de la boussole de qualité. Ah, c'est un sud-tout en plus. Hein. Sud-tout, ça peut être ça, là. Ah non. Ça serait pas écrit Solari. En sud-tout. Henri Mouret. Vous avez pas une petite info, là? Bon, j'ai dû passer devant. Hein. Vous êtes en note like 10. Gare SNCF. Toute direction. Pourquoi je suis la gare à tout prix, là, moi? Je sais pas, j'aime bien. Gare routière. Gare d'Aix-en-Provence. Bon, bah là, je suis devant. Avenue Victor Hugo. Ah, bah, elle est là, l'avenue Victor Hugo. Et du coup, on remonte, donc on est là. Ok, parfait. Magnifique, tout ça. Enfin, si, si on est là, voir, mais... on va voir le troquet. Fleurs, brasserie... Tum. C'est celle-là, hein. La rotonde, ouais, ça doit être... L'Estello. Boum, boum, boum. Clac, là, il y a du bus. Ouais, je préfère Rotonde Bonaparte. Je préfère assurer, hein. Je préfère être dans un mood où on assure au max. On prend pas de risque. On prend du 5000 points. On essaye... Au maximum. Place Barthélémy. C'est quoi Mirabeau là que j'ai pris, non? Place Forbin. Voilà, le classique. Le classique, on sait plus ce qu'on fout. J'arrive un peu du teco, moi. J'arrive un peu du teco, ambiance un peu sud. Et ouais, j'arrive de là. Et les places, elles sont là. Ok, ouais, je pense qu'on est là. Hein. Là, il y a la petite... Bah non. C'est quoi cette ruse, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là, la plage Jeanne d'Arc? Pourquoi t'as ça, là, ici? Ouais, je pense que je suis là. Hein. Je pense que je suis là, on est un peu plus avancé, donc là, quoi. Le train touristique, et que soit... Ouais, ça me semble bien. Et là, techniquement, on fait l'avenue des Belges. Et oui, je suis con, quoi qu'il arrive, on a fait ça. Donc là, on en a une première sur notre droite. Donc on fait ça. Et ensuite, celle d'après, c'est l'avenue Victor Hugo. Ouais, ouais, y a pas de soucis, c'est là. Ouais, excusez-moi, je suis parti en full insécure, du coup. Je sais pas pourquoi, je suis parti en full panique. Et ouais, là, c'est de l'autre côté. Je suis en full panique, du coup, je sais pas, j'ai peur de tout, là. Ah, il est chaud. Ça dépend du classement. Ah, vous êtes... Moi, on fera un vote. Si premier, ça fera un round fun, si tu veux. Ouais, ce sera pour le rigoler, quoi. Entre potes. Ouais, tranquille, ça compte pour du beurre. C'était quoi le truc? Ah, c'était quoi le... Pardon, parce que je suis muté, je vous ai entendu... C'était quoi le truc qui compte pour du beurre, si vous faites? Ah non, parce ah, non, que non, Étoile, il a dit, on va peut-être rajouter un round. Non, ah. je disais, on aura le temps par rapport au temps. Mais Kamel était en mode... Non, j'ai dit, si je suis premier, ça comptera pour du beurre. T'as trouvé, P1? Ouais, j'ai fait 5000 lois aussi. Ah ouais, bien, je viens. Le Apple bien. Qui met bien. Je sais pas si vous avez aidé, vous. Ah non, du tout, putain. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu. De quoi? Il y avait un giga. Il y avait un giga Apple à côté, genre. Ah non, j'ai pas vu. Je le vois même pas sur la map. Rien vu du tout. Putain, c'est des maps serrées ou. Ouais, c'est chaque point compte là. Grave. On propose un level ce soir, c'est absolument hallucinant. Hein. Ça dit quoi au bout de 3 maps du coup? Link premier, 71 600 points. Et Link qui s'envole. Hein.
700 points d'avance sur Kamel. Ouloulou. Ah non, mais Kamel est très dangereux. Hein. Attends, mais c'est moi, je te dis, je suis fort en World Wild, mais en France, je suis éclaté. Je vais faire trop de place en France. Ah, on sait jamais. Hein. Ah, j'espère bien. Il y a après, France jusqu'à point. Si t'as de la chance, on peut peut-être tomber sur Paris et tout, tu vois. Genre sur des trucs où c'est pas la campagne, la campagne, tu vois. Je me souviens qu'on est tombé sur Étampes, j'étais trop heureux la fois, mais là. Donc, ça dépend. Ok, vas-y. Moi, je suis prêt, moi, pour le challenge. Je suis prêt aussi, ouais. Attends, ah merde, c'est la fin, je suis bête. Okay. Ouais, c'est le quatrième. J'avais pas vu, j'ai. C'est nouveau, ouais. Je suis désolé. NP. Tenez le classement. Ah ouais, parce que du coup, j'ai ma giga tête devant. C'est celui qui finit par SO, le challenge à la France. Ouais. Okay. Yep. Yes. Merci. Passe au freeze. Hop là. Tac, tac. Et c'est bon, moi je suis prêt. Je suis prête aussi maintenant. Pareil. La même. Prêt. Là c'est France, là on est d'accord. C'est France, ouais. Là on est France, ouais. Ouais, Kamel, bon courage. Adieu. Bien joué. Bien joué, Loïc, pour sa victoire, franchement. C'était un bon combat. Juste... Garde le mental. 3, 2, 1, go. Allez, on reste dans du positif. On reste dans un délire. Où on fait du lourd, Brelidi 0-2, j'ai pas révisé mais 0-2 c'est là. Château, Hôtel, Brelidi, on peut être dans un délire un peu Loire, on sait jamais. Brelidi en tout cas, c'est la ville où on est. Allez, on y va et on va à l'ouest là. On va à l'ouest. Moi je vois Château, je vois 0-2, c'est réglé. Saint-Laurent, je vais peut-être mettre un petit D20 Saint-Laurent. On va se mettre des petites infos. Bégard, D15 Bégard. On se prend du petit du Plouec du Trieux. Plouec du Trieux, ça c'est plus c'est clairement plus quasiment Bretagne là. D20, D15, Plouec du Trieux. Vas-y, moi je vais suivre ça là-bas là. On n'est pas loin, je pense, de... On n'est clairement pas loin de la Bretagne, quoi. Brelidi, on était en tout cas. Un petit Brelidi, ok, sur la D15. À voir, comme chaque département, on a des différents... Putain, mais j'aurais peut-être dû plus check Kernevez. Oh, on est quand même... Ça sent clairement la Bretagne, quoi. Ça sent clairement la Bretagne. Hein. Et comme par hasard, il y a une D20 ici, là. Il y a une D20 ici, Péole, Ambon, Surzur, Sarzeau. Bon, je fais de la merde, ça valait pas le coup. Ok, typiquement, c'est le genre de move qu'il faut pas faire. Mais bon, on aime bien. Sinon, à quoi bon jouer à GeoGuessr si on fait juste du panneau et qu'on tente pas ce plaisir de la map. Si on n'a pas ce plaisir de la map. Nous, on est D15, nous. On est D15, le truc, c'est qu'il faut pouvoir le situer. Il nous reste 2 minutes 50. Archer, très bien. Karting. Ouais, t'as pas de dinguerie. Mais si, mais il est même traduit. Il est même traduit en... Il est même traduit. C'est quoi les maps Saint-Laurent. Il est traduit, ça veut dire que c'est full Bretagne. A fun de me, merci pour le resub. Putain, là, on se met pas bien, là. Là, on se met pas bien. Moi, j'ai une impression que c'est vraiment proche Bretagne, quoi. Après, va savoir, on est à côté, mais... C'est qui, ce thug, là? Avec son pull Baby Milo, là. Qu'est-ce qui se passe? Runan, Château, Noblance Brelidi et mode féodal. Candved, Noblance Brelidi et Moudan. Non, mais là, c'est clairement du... Armory Park. Merde, j'ai merdé. Armoric, hein. Armory Park. On est dans ce coin, là. Plouguerneau, là. J'ai quoi, là? J'ai de la D8. Plouénor. J'avais pas un Plouénor? Plouc du Trieux. Ploucast. Ah mais là ils aiment bien le plou ici.
j'essaye pas de one shot. On était bien, hein, Amor. Là, là. Armorique, c'était bien, là. C'était très bien. Armory Park, me dis pas que. Là, il y a du bon plou, là. Des 57, des 24, des 15. Il y a de la D15 fort, là. Il y a de la D15 très, très fort, là. Oh, qui s'arrête là, putain. Petit Finistère, là. Il était pas chaud de faire plus, là. Kerverk. Non, mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus. Là, on est beaucoup plus enfoncé, là. Oh non, l'Armory Park qui m'a baisé. L'Armory Park qui est juste venu me baiser, en fait. Guingamp. Oh, le roux du roux, c'est où Guingamp. Non, Guingamp, c'est enfoncé, non? Ah, c'est où Guingamp? Guingamp, D8, c'est pas au nord, Guingamp, la roue du roux du roux. Guingamp, c'est par là, là. C'est par là, putain, je vais mettre là, par là, mais c'est... C'est où Guingamp? Oh, Guingamp. C'est terrible. C'est là-haut. Je savais que c'était là-haut. Fuck my life, putain, j'ai choke. Bégard. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça a failli être chaud. Ouais. 180 mètres, mais... Ouais, ouais, 74 km, je vous avais pas menti, hein. 110 de mon côté. La le Bretagne. Maxi. J'avais trouvé la Bretagne, mais je trouvais rien d'autre. Oh, laisse tomber la Bretagne, c'est compliqué aussi, hein. C'est full troll à chaque fois. Je connais rien. Ah ouais, le plouec là. J'ai découvert l'existence d'Armory Park, un truc comme ça. Ah putain, ça t'a pas bait sur le parc régional armorique et tout là, non, non? Ah bah si, ça aide de ouf, si. Ah ok, ah, moi ça m'a moi, bait. J'ai vu... moi ça m'a foutu. J'ai eu full bait avec Locmaria, qui est une ville sur une île de la Bretagne. Il y a plein de Locmaria. Mais ouais, j'étais trop content. Et après, pareil. Pas du tout. Non, c'est un prank. Il faut pas faire confiance à Maria. Il y en a plein en Bretagne. Ouais. Elle est tellement. Sure. En fait, elle est grosse sur la map Bégard. Je savais pas que c'était une ville. Ah ouais, on la voit. Ouais, j'avoue. Même pas. Vas-y, ah ouais, ouais. Ah ouais, ok. Il fallait dézoomer de ouf. Ok, ok. Parce que moi, j'étais full zoom. Je cherchais un truc. Alors que si on dézoomait. Aïe, aïe, aïe. La sauce. Ça okay. Va passer de deuxième à dernier. Oui. T'as de la marge, t'as de la marge. Je suis prêt, moi. On va avoir 4 paris. Je suis prêt aussi, ouais. Ok, let's go. 3, 2, 1, go. Ah ouais, non, mais c'était trop petit. Guingamp, c'est petit quand même. Enfin, ah, mais je m'en veux, ouais. Je m'en veux. Au début, je suis allé dans le sud. Ensuite, Guingamp aurait dû me mettre bien. Mais putain, je sais pas pourquoi j'ai mis ça à côté de Lorient. Alors que c'est au-dessus, quoi. C'est au-dessus, le faux pas. Là, j'avoue que ça nous a mis dans une sauce où ça va être compliqué de rattraper. Ah putain, en plus il restait pas beaucoup de temps et tout. On a eu 2-3 petites infos, ça a pas suffi. Bon, on va se battre quand même. Hein. Saint-Sauveur de Père. Merde. Putain, je crois trop de pression. Site archéologique D5, D2, Javols, Aumont. Cerverette. Oh, je sais pas si elle est à Cerverette, c'est un plan de ouf. Hein. En même temps... Bon, D2, la D2, hein, vas-y. Ouais, monter, je sais pas non plus si ça va être dingue. Je pense que ça va être un peu compliqué, quoi. Cerverette. Jabols. Archéologique. Ah, je crois qu'on va... Putain, faire dernier, ça me casse les couilles, quand même, là. Après, on aura une map monde après, mais... Première compétition GeoGuessr, on arrive, manque d'implication, manque de détermination. Après, c'est pas fini encore. On y croit toujours. Ça, c'est les... Le baou de l'estival, putain, Rimzès, D806. L'eau et Truyère. Route entre l'eau et Truyère. Le Lot. Oh lolo. J'ai quand même dû un peu en bas à gauche, mais... Église Saint-Jean. C'est juste la route
peut y avoir une ville. Saint-Denis en Margerie. Je pense qu'on peut être vers du Brive. Ah, je sais pas là. 14-18. Tant qu'on prenne des numéros. Ouais, 04. 02, 03. 04, 05. 02, 03. 01, 02. Putain, mec. Qu'est-ce que je fous de ma vie là? Qu'est-ce que je fous de ma vie? J'ai été fort un moment. Alors, pas insane non plus, mais quand même pas dégueu quoi. J'enchaînais les 5000 points et tout, et là c'est juste une corvée là. Je vais de l'autre côté. Je suis monté. Je suis descendu, je crois. Ah, vas-y, je suis tilt là. Je suis tilt, j'arrive pas à réagir. Je regarde mon chat, c'est not like this. Je vais fermer ça parce que ça a aucun intérêt. Ça m'énerve encore plus contre moi. Je comprends que vous soyez aussi frustré. La vie est pas facile parfois. Ah ouais, là ça me met vraiment dans un truc où putain. Je suis déjà passé par là. Vas-y, c'est bon, je fais 0 point là-dessus. Je suis saoulé là. Ah ouais, là on fait 0 là. Là on fait juste un gros 0. Ah ouais, j'ai le seum là. Ah, j'ai le seum, c'est pas le. Ah, c'est non, c'était là où on était allé. La D50, Javols. Main 2. Javols, main 2, on peut se dire que... Oh ouais, je suis foutu, là. On est juste foutu, là. Là, honnêtement... Rock de paire. On va voir un peu ici, mais... Ça ne donnera pas beaucoup plus d'infos. Ah ouais, je m'en veux, je suis naze, putain. Ah, y'a rien de pire que de se décevoir, quoi. C'est vraiment le truc qui te... Ça, c'est vraiment un cauchemar, je sais même pas où on est, on va se mettre... C'est un léger de paire. Je suis à 17 km. Et je vais au sud, Serverette. J'étais à 2 km. Saved. Saved. 252 km. Merde. 3 km au moins. 2 km. J'ai défoncé. 424 points. Putain, c'est terminé pour moi, je suis catastrophique. Ah, j'ai eu le luck. Genre, mais c'était dur ce point, non pour, C'était grave dur, c'était hyper dur en vrai pour moi. Genre, j'avais rien. J'ai tilt dans le truc parce que bah, je suis naze ce soir et tout. Et j'ai full chat à un moment, j'ai vu Saint-Léger, j'ai mis le truc et je me suis retrouvé à 2 km. En mode. genre, j'avais carrément caché l'écran et tout. J'étais en mode c'est bon, je m'en veux, je veux machin et tout. Et full chat, putain. J'avais vu un panneau qui est Mende et impossible de me souvenir où était Mende. À un moment de on revient. Ah ouais, mais en fait, je me suis mis en direction de Rouen et qu'elle ne fut pas ma déception de me rendre compte que j'avais inversé les deux villes. Ah, Mende, c'était là. Comment tu peux reconnaître Mende? Moi, j'ai lu ça à Mende déjà. Ouais, moi aussi, moi aussi. Lui, c'est déjà ouais, Mende, lourd. C'est 12. Ok. On y retourne? Ouais. Vas-y. Let's go. 3, 2, 1, go. Allez. Ah ouais, non mais. Pff. Non mais je pense que c'est un signe. Je pense que c'est un signe de il faut pas lâcher. Et comme quoi le tilt. C'est archi positif, t'es le gars qui comprend rien. Que du faux message. Péreux. Non mais en plus, c'est vraiment un jeu où quand t'es dernier, t'as pas de plaisir quoi. Voogie, je suis déjà tombé. Des 29. Marley. Péreux. Coutouvre. Ah ouais, bah là, c'est du. C'est quoi là-bas les infos là? Merde. On suit où là? On va suivre ça, je pense. Voogie, ça me dit un truc. Péreux, Cours-la-Ville. Coutrouve. Genre Coutrouve. Enfin, on a bien chat quand même. Là, j'avoue que... Vas-y. On se fait pas avoir par direct. De toute façon... Déchetterie professionnelle. T'as pas un petit numéro, toi, frérot? Ouais, Voogie. Voogie, là-bas, il y a Voogie. Hein.
Fais où vous j'y. De toute façon, clairement, GeoGuessr, la strat, c'est de prendre du panneau. Voilà, c'est de prendre du panneau, espérer. Super. Aucune info sur rien, là. Vougy, Pouilly, Charlieu, aucune info. Mais genre, aucune info de mon côté, là. Toutes les villes qu'on a vues, c'est concrètement... Mais c'est big, là. Péreux. C'est quoi, ça, l'info, là? Les trois moineaux. Ah bah, bien sûr, les trois moineaux. Forcément, Nandax. Gistablis. Monceau. Maconvichy. C'est pas vers là, Vougy, j'étais pas tombé dans le coin. Roanne. Plus bas, Montélimar. Digouin. Monceau, Autun. Allez. On retombe pas dans un truc... 06, merde. 06, merde, 04. Du coup, alors par rapport au 04, est-ce que 04 nous donnait une info Vougy. D462. Autun. J'ai Autun ici. Ok, faut que je revienne. Faut que je revienne parce que ça va nous donner full info. Roanne. Oh, ah mais Roanne, c'était juste à côté, c'est là Roanne. Mably. Ah mais je suis là. Ok, si j'avais raison. Ah ouais, je suis dans un état, putain, je... Roanne, D482. Alors du coup, moi j'ai spawn où, moi? D482. Vougy. Voilà, du bon Vougy, du Nandax, là. Toute cette mif, là. Putain, on va commencer à jouer, là. Merde, je sais pas où je suis. Je vais à l'est. C'est l'ouest, en l'occurrence. Parfait. Je vais à l'ouest et je tombe sur... Péreux et tout, c'est quoi ça? D39. D39 vers Roanne. D39. D39 vers Roanne. En fait, ça, il faut juste savoir c'est quoi, en fait, concrètement. Si je sais que je suis sur la D17, il me reste quoi, une minute? Ok, père. Tout va bien. Et que tu vas à Vougy avec la D17. Ça veut dire que t'es là. Là-bas, on a une rue qu'on avait spot. Attends, il y a deux rues. Ok, il nous faut du Puntos là. Pourquoi il n'y a plus le panneau là? Il n'y a pas un panneau de route là? Ok, je me suis perdu. Mais du coup, nous, on vient de la D39. Route de Coutouvre. Et là, si t'es à Vougy, ça veut dire que de base, on est là. Et que le croisement, il se fait ici. Sauf si c'est là. Mais ça m'étonnerait, parce qu'on est déjà call sur la D39. Donc ça veut dire qu'on est là. On spawn exactement ici, nous. Non, va au spawn de base. On spawn exactement ici. Et je spawn exactement là. Rien à foutre. Oh non, j'appuie sur le truc suivant! J'avais rien du tout. Je suis dans la map suivante, j'ai merdé. C'est pas grave, tu feras F5. Je la fais, je F5, je quoi? Fais F5. Quitte. Ok. Tu pourras la faire. Ok, pardon. Désolé, panique. Catastrophe. Grosse panique, ouais, excusez-moi. Putain, j'ai fait n'importe quoi. J'avais rien. Putain, j'ai fait 4999. Ah ouais, t'es bien. Moi, là, j'ai trouvé des digouins pouillis et tout. Je connais rien, moi. J'avais rien du tout. Je mets au hasard. Et t'as trouvé où t'as fait comment? Comment je choke? Je suis quatrième, mec. J'ai fait 340 points. Mais sur un choke, c'est terrible parce que le 4900 points d'écart, c'est. C'est moi dernier là? Bah ouais, mais je savais pas où me mettre du tout en fait, j'avais rien. Ouais. Le podium! Tout va bien. Ça me dégoûte. Il y avait un panneau qui indiquait Roanne, mais en fait, dans une direction, t'avais aucun panneau, et de l'autre, en fait, tout de suite, t'avais un panneau qui indiquait Roanne vraiment très très proche. Mais rien du tout. Roanne, c'était la ville que j'avais confondue juste avant avec. Comment vous savez c'est où Roanne? Ouais, je sais pas, Roanne, ça me dit rien quoi. Bah ouais, tu me dis Roanne, bah tu en sais rien. Moi, j'ai trouvé un 04, ça m'a mis bien, c'est tout. Ok.
prêt pour la donner quelques points. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Prêt. 3, 2, 1, go. Ouais, Juan aurait dû me carry de ouf. Bon, c'est pareil ça. Marais du 19, parc début de Chaumont. On est où là? Ça c'est 5000 points ça. On est dans le 19, rue Petit. Oh putain. Ah je suis désolé mais ça te fait passer par tous les étages. J'ai été vraiment naze mais là on recommence à reprendre un peu de niveau, c'est bien. On est sur un gros rond-point, y a pas un métro ici? Y a pas porte de Pantin par là, porte des Lilas. C'est quoi la rue? Boulevard Serrurier? Place des Fêtes, boulevard Serrurier. On va juste chill, boulevard Serrurier, c'est là. Ok, boulevard Serrurier, si tu descends, du coup ça doit être un peu plus haut, ok, on est là. Ok. Ah oh ouais, putain, je suis pas bien, quoi. Ah, je suis dans un état où je suis ici, je sais pas exactement où me mettre. On va voir s'il y en a qui flex. Quoi qu'il arrive, je fais 5000. Je suis un bouffon. Le petit point manquant. Ça se jouera à un point. Ça se jouera à un point, mais direct, on va aller rentrer du 4999. Bon, c'est pas grave, c'est un point, quoi. Oh, putain, ah, ça me fait passer par trop d'états, là. Heureusement, on revient bien, là. On revient bien, quand même. On revient bien. Ensuite, on aura la map 5, qui sera une roar map. Donc, c'est map world. Premier général, là, pour l'instant. Non, Étoile est en train de faire du sale, mais là, Link, ici, il a perdu tellement de points. C'est horrible. Ce jeu est horrible. Link a fait que des perfects. Que des... Bon, un petit choc ici. Et là, ça l'a mis trop dans la sauce. Trop rapide, profites-en pour être précis. Ouais, après, là, j'avoue qu'on perd un point, donc... 20 en vocal. Je suis en vocal, je l'aurais dit à un point près, mais... Comment t'as tremblé quand t'as relancé? Bah ouais, je voulais pas niquer. C'est la première fois que je fais une soirée. Une soirée. Non, mais là, c'est trop facile, pareil. Paris, c'est trop facile, il n'y a aucun moment où ils vont pas faire 4800 points minimum, quoi. T'es chaud en France. Bah là, j'ai fait un sale 2500 au début. Hein. J'ai fait un sale 2500, regarde un peu, hein. Angle droit, 4900. Angle droit, elle est en full régul. Hein. Non mais là, ça fait plaisir, parce que j'avoue que j'ai un peu chaté sur celui-là, là, je sais plus lequel. Où on a fait celui-là, là, je crois. Qui nous a remis dans une bonne dynamique. La map d'avant, on a fait quasiment que des 5000, on a fait 24942. Là, j'ai eu un gros choke ici, un gros choke ici. Ah, on a 3-4 chokes, mais faut que je reste mentalement fort, là. C'est archi important, en fait, de pas tilt. Non, mais là, j'avoue que ça fait 10 jours que j'ai pas joué à GeoGuessr, et j'ai plus les logiques. Tu sais, comme c'est 5 minutes, malgré tout, ça, c'est quand même important, quoi. Elle est si forte, elle est hyper forte, angle droit. Elle est hyper forte sur GeoGuessr. Mais Paris, honnêtement... Je pense que tu peux pas faire moins de 4000 points, quoi. Qui est angle droit, c'est une streameuse que... Bah, pas qui a Link 5000. Oui, il fait plaisir, Link, hein, cette entrée sur le G-Doc, là. Ouais, mais tout le monde va la voir, je ouais, trouve. Je pense. À Paris. Faut que la dernière roar map soit incroyable. Grave. Putain. 5 minutes. Non, mais là, j'avoue que je me suis mis trop de pression, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et c'est la première fois que j'en fais avec d'autres gens aussi. Et en plus, c'est une soirée cool et tout, tu vois, où... C'est parfois ça. Ça met une pression, quoi. Ça met une pression. Combien fait Étoile? 5000, je pense. 4980 à 5000 tout pile. Ouais, moi j'ai envoyé le point au pif, putain. J'aurais dû aller pisser, j'ai envie de pisser. Et du coup, angle droit, pardon, j'ai pas fini. C'est une streameuse qui stream pas mal de GeoGuessr, qui est une vulgarisatrice. Elle a une chaîne YouTube aussi, vulgarisatrice dans le droit, en fait, parce qu'elle a fait des études de droit, etc. Et c'est quelqu'un que je suis un peu depuis quelques temps, et du coup, je suis content de pouvoir faire un truc avec elle. Voilà. Et c'est cool aussi que bah, elle soit dans l'OP et tout. Donc, trop forte, mais qu'elle joue contre Antoine Daniel, elle est pas ouf, ça monte son niveau. Bah ouais, mais ça reste le top du panier, tu vois. Antoine Daniel est vraiment insane. Vulgarisatrice, c'est quoi? Ce qui, en gros, va parler de droit, des différentes choses qui s'y passent, que ce soit parfois, justement, sur les changements de loi ou autre. Enfin, elle est intéressée par tout ça, et c'est vrai que quand tu t'y connais pas spécialement en droit, parfois, tu peux être hyper, hyper lointain là-dessus, quoi. Dis-toi que quand il y a marqué Côte d'Armor ou Armorique, c'est en haut de la Bretagne. Ouais, je sais, mais j'ai été bait. J'ai été bait, et j'avoue, là, je me mets trop de pression. Ah, je suis désolé, là, je suis en...
Je suis. Elle parle de manière très familière. Ouais, c'est un vulgarisateur, c'est que t'expliques quelque chose simplement. Il y a beaucoup de vulgarisateurs scientifiques. Je me demande si le point il n'est pas un poil mal placé. Ouais. Je me suis demandé. J'ai l'impression. Et c'est fort possible. Ouais, je crois. Moi j'avais j'ai mis sur le rond-point en mode. Allez. Ouais, pareil. Pas les couilles. Ouais. Moi j'ai trouvé Chibs là, le petit restaurant là. Un petit resto calme. C'est quand on va à Chibs? Bah, go demain. J'étais plus abonné, what the fuck, je suis chaud. Bah, y'a pas de soucis, Guazil, merci, poto. En vrai, on peut aller à Tibbs. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais vas-y, je suis chaud. Quelqu'un d'autre veut venir à Tibbs. On reste. Allez, vas-y. Ça a pas l'air pourri, je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas. Il m'a juste donné. Qu'est-ce que c'est? Ça a fermé depuis. Je sais pas, mais. Je suis prêt. Vas-y, je suis prêt, hein. Formule, juste que tu mettes tes points, Kamel, et après on y va. Non, mais Tibbs, okay, bah, Kamel, ils font pizza, sushi, salade. C'est mauvais signe. Généralement, c'est. Dès que ça fait trop de trucs différents, ça c'est banni. Mauvais bail, mauvais bail. Un peu de crêpes aussi au passage, on sait jamais. Non, laisse tomber. Ah, Philippe, il a dit. Après, il y a un petit Jap qui a l'air pas mal à côté, on verra. Mec, il a rayé ta faim ou quoi? Sinon, la tradition du bon pain, j'ai trop la dalle. J'ai trop faim, mec. Allez. 3, vas-y. 2, 1, go. Allez. Allez, le dernier là. Le dernier de cette map. Ensuite, ça sera du Roar Map. Et Roar Map. Roar Map, ensuite, c'est World. Généralement, c'est des pas trop. Ok, Villiers, Châtillon-sur-Loire. Sauf que Châtillon-sur-Loire, du coup. Sauf que la Loire, c'est un enfer. Donc, on va pas se faire. La Loire, c'est vraiment trop grand, putain, et je pars là-dessus. Et je pars là-dessus, c'est Châtillon, tu connais, j'ai pas le choix, je suis un peu obligé. C'est tellement grand, la Loire, c'est une erreur. Ça, ce que je viens de faire, c'est une erreur, mais en même temps, techniquement, on est un peu sûr de l'avoir, quoi, du coup. Sauf s'il y a gros choke, mais c'est quand même une erreur. Je pense qu'on est quand même sur une petite erreur de qualité. Attends que je reste focus quand même parce que du coup ah ouais attends Châteauneuf j'en ai loupé full là. Oh, le con Lyon celui-là faut que je mette plus grand. Oh là là, Châtillon-sur-Loire j'ai. Et on est à Villiers. Ah, je vais pouvoir aller pisser. Ah, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller pisser, hein. Ah, je vous cache pas que moi j'ai peu d'objectifs dans la vie, hein, mais aller pisser fait vraiment partie de mon top objectif. C'est en vrai, t'es sûr quand il y a des sur-Loire, sur machin ou quoi, de tomber dessus, quoi. Du coup, là, on rentre à Villiers et on rentre en allant vers l'ouest. Donc, c'est la rue de Villiers. C'est la rue de Villiers, c'est tout à fait ça. Et c'est la rue de Villiers qui croise quoi? Qui croise la rue du Puy. Allez, on peut aller pisser. Attends, je vais juste. Parce que là. Tu en es pas exactement là, du coup, c'est juste pour savoir à quel moment t'as le virage à droite là. Derrière, il y a quoi? C'est quand que ça tourne là? Chemin des déserts. Est-ce que t'as un petit chemin des déserts? Chemin des déserts, c'est là. Tu vois, donc entre les deux, entre ça et ça, il y a de la baraque. Et quand même, hein. Il y a même pas mal de baraques, hein. Rue du Puy, c'est pas à côté, hein. C'est pas à côté du tout, là. Tu vois, ça, c'est rue du Puy. Si on regarde, là. Donc là, t'as une maison. T'as trois maisons. C'est ça qui te le balance sur la droite, là. Non, c'est ça qui te balance sur la droite. Ça, c'est ça, là. Ouais, ça, c'est plus ou moins ça. Hein. Je fais un peu de la merde, là, je pense. Je te le mets là. Je suis le boss. C'est un tout pile. 5000 points, 0 mètre de distance. Je vais pisser, je reviens tout de suite. Le comeback!
Ouais. C'était très plaisant, ce petit pipi de... Ce petit pipi de 5000 points. Il était extrêmement extrêmement plaisant, je vous le cache pas. Putain, on était quand même pas loin là, hein. On s'est mis bien là-dessus, hein. Après cette map, du coup, on entre sur la dernière qui sera Roar Map. Waouh. Et Antoine Daniel Live, Antoine Daniel Live, Antoine Daniel Live. Tout va bien, Otis Bush. Deux messages écrits, deux fois spam Antoine Daniel. Tout va bien se passer, Otis Bush. Hein. T'as fait vite, tu t'es lavé le nom. On a continue. Eu le temps. Yep. Oh. Il faut combien ? Étoile 5. 5000 étoiles, il va pas de choc étoile. Putain, là, t'as mis la pression. Ah de putain ouf, de... Ah ouais, j'ai essayé, je me suis dit, vas-y, faut que je joue ma carte, sinon... T'as mis de ces pressions. Oh, on sécure la dernière place. J'avais aucune idée de où on était, j'ai mis un point au pif et j'ai fait 46 km. C'est vraiment une... En cours. GG. Moi, j'ai suivi la Loire tout le long, je suis allé vers Nantes, c'était l'opposé total. Ah, t'as pas eu... Moi, je cherchais le parc du B, en fait, parce qu'il y avait machin. J'ai vu Châtillon sur Loire, mais... Ouais. Et j'ai vu Pierrefitte, mais Pierrefitte, c'est dans le 9-3, du coup, c'est pas le même Pierrefitte. Ah ouais. Moi, j'ai... Du coup, j'ai rien eu, tout, j'en sais rien. Kamel, on s'est fait arnaquer, putain. Ouais, moi, Pierrefitte, y'a qu'un Pierrefitte, c'est tout. C'est dans le 93, et... On a échangé de place avec les derniers, Kamel. Ouais. T'as tout va jouer sur la dernière map, quoi. C'est qui ? C'est Étoile, là, pour l'instant, qui est devant ? Eh, c'est hyper serré, ouais. 120 points d'écart, là, entre Étoile et Angle Droit. Ouais. Moi, les gars, je vais faire bouchon pour le podium, je vous le dis. On est des joueurs de Worldwide, là, c'est ça le truc, c'est que nous, on joue dans le monde, nous. On va essayer de jouer dans le monde, tu nous mets en Colombie, on se retrouve, tu vois. Faut clutcher, là, faut clutcher. Moi, tu nous mets en Châtillon sur Loire, je suis perdu. Ah, de ouf. Mais t'as en Colombie, je suis là, tu vois. Mais Kamel, en longeant, t'es pas tombé sur la ville. Mais c'est super long, la Loire, non? Mais moi j'ai parti vers Nantes. Elle m'a emmené à Nantes, la Loire. Bah, en fait, il y avait le panneau centre. Du coup, vu que c'était vers le centre, moi je suis allé vers le centre. J'ai pas trouvé le panneau. Ah, moi j'ai all-in en suivant toute la Loire, en zoomant. Putain, comme un porc. J'aurais dû. Je suis tombé dessus en mode allez. Moi j'ai trouvé 0-2, du coup je me suis dit c'est vers la gauche et. Bof, quoi. Vas-y, je suis prêt, moi. Et toi, est-ce que tu vas tenir? Tu penses pouvoir tenir la première place avec l'angle droit qui est juste derrière ou pas? Après ce qu'on a subi au début, je pense que là on peut y arriver. Là. Oh, il est confiant. On peut y arriver. J'ai la pression de ouf, moi. Putain, ça... Vas-y, bah quand vous voulez pour la dernière map. Ok, deux secondes. Vas-y. LW, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ok, bah je suis prête, alors. Ok, ouais, je suis prêt. Ok, 3, 2, 1... Go. Allez. The Black Lion, on est quoi là? C'est de l'Angleterre, ça? Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Il faut pas de choke, on se concentre. IE. Irlande? On est en Irlande? On est tranquillement en Irlande et il y a du pire Irish Social Finance. Ok. On est en Irlande. Maintenant, où est-ce qu'on est en Irlande? On full focus, les potes. C'est la dernière. Il reste 5 petits bails là, on se comprend là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi vous écrivez des trucs Nightcore, je sais pas quoi, Nightcore Works, Rampai Ramps, Ishnicore, Inchicore. Inchicore, c'est connu ça? Genre Inchicore, pas ouf Inchicore. Hein. Inchicore, pas dingue, on va peut-être pas passer plus de temps sur Inchicore là. Mais Inchicore en tout cas. On prend l'information du Inchicore. Allez, là, on reste focus. On peut le faire. On pensait qu'on allait juste faire dernier. On a fait des prestations dégueulasses. J'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à suer en live comme une grosse merde. Je ne sais même plus regarder le chat tellement j'étais en pression. Maintenant, on a l'occasion de faire la diff. On a l'occasion d'être grand. Et j'avance. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi là? C'est chute de caméra là? On suit un tram. C'est le pire truc que je suis en train de faire. On suit un tram jusqu'à nos limites. J'ai juste l'info de Inchicore. Vas-y, envoyez des gros panneaux, là. Faites pas les radins. Said, Murfield, machin drive. Oh là là, ça sent pas bon, ça. À 2 minutes 30... Ah, parfait. Ça, c'est exactement ce que j'aime, mais j'en demande pas plus, moi. N7? Ah oui, N7. Alors déjà, M50. Parle-moi un peu de M50. M50, c'est sorti de Dublin. Ça, c'est magnifique, ça.
Ça, c'est absolument magnifique. Je regardais s'il n'y avait pas un petit Inchicore, on ne sait jamais. Du coup, N7, M50, donc ça, c'est tout droit. On va donc sur la gauche, donc nous, on pouvait Inchicore. Let's go, là! On va faire du Puntos, là. Là, on va pas lâcher notre place. On va pas lâcher notre place. Ça, c'est important. On n'est pas là pour... On n'est pas venu pour venir, hein. Rosedale, Tesco, on l'a dépassé. Tim Aubert, Medical Center, il est là. Et là, normalement, il y a... Medical Center, attends, Irish Social, machin, là. Tu te le mets pas, toi, le Irish... Moi, je me voyais bien là, mais... Là, je vois un Tesco un peu plus loin, là. Je vois un Tesco un peu plus loin, mais du coup... Attends, tu sais quoi, on va pas se faire chier, il nous reste 2 minutes, là. Moi, je suis pépouze, là. Mon rythme, c'est tranquillité. Ça, c'est quoi, ça? C'est The Black Lion, là. Il est où, The Black Lion? The Black Lion, il est là. Il est là, The Black Lion. Mesdames et messieurs, on est face au Black Lion, mais qui fait l'angle. C'est-à-dire qu'on est juste là. Ça, c'est Emmett Road, en face de nous. Il n'y a rien d'autre. Kittinge Pharmacy. Black Lion, il est un peu partout, par contre. Hein. Kittinge Pharmacy. Parfait. Pas d'embrouille. Ici. Le 5000 puntos à 4 mètres. Oh loulou. Allez. Allez, on commence bien celui-là. Allez, celui-là, on le commence bien, on va le chercher là. Là, on va le chercher. J'aurais dû me chauffer avant de commencer cette soirée. J'y suis allé comme ça à froid. On a fait des maps de merde. J'aurais juste dû me chauffer. Je me chauffais un peu et on y allait, on rentrait dedans. 10 jours sans GeoGuessr, je savais même plus me servir d'une boussole. C'est loin, ils vont pas perdre trop de points s'ils choquent juste Irlande. Ouais, ouais, non, mais c'est pas grave. No, là, honnêtement, on se concentre même pas sur les autres. J'ai juste envie de nous qu'on fasse un truc bien. J'ai genre 4000 points de retard sur les deux premiers. Donc, The Black Lion pour le lion. Putain, bien vu, ça. Ah, ils sont forts, ces céréales, lion. Faut juste pas paniquer. C'est cette mentalité qu'on veut. Mais ouais, je suis venu en loser. Dealer, putain. Oh, putain, bien joué. Vas-y, étoile plus que 4. Jure, t'es de la team Rayou. Ça va, bah là... Si je peux assurer un podium, je suis à fond. Attends, c'est fait exprès les refs au Lyon. Ouais, bah, c'est une soirée en fait qui est sponsorisée par Lyon. Ce qui, honnêtement. Choc total de ma part. C'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est une soirée sur GeoGuessr avec des potes, compète, que j'ai jamais fait. Parce qu'on a, enfin, on a juste joué vite fait avec Étoile et Xari. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé ça cool de. Sur les 5 maps qu'on joue. Je sais pas comment vous avez fait pour être aussi rapide. Je suis tombé sur la pour être précis, ouais, je sais pas. Ouais, la route. Un peu de... Ouais, pareil, j'ai zoomé, j'ai vu le truc. Petite chat, là, de mon côté. Bien, ça va, pas trop de chat. C'est trop bien. Je te dérange pas avec votre chat. Ouais, après, le bon zoom aussi. Hein. C'est le clic molette, quoi. Toi, PA, c'est full zoom. Zoom sur la Loire, zoom sur hein. Dublin. Moi, si tu veux, c'est qui tout doom. Ça marche tout le temps, quoi. T'as pas eu de chat. Faut les laisser croire. Faut les laisser croire qu'ils peuvent revenir. Bien wesh, bien wesh. T'as fait combien, Kamel? 4500 points, j'ai troll. En fait, je trouvais rien. Et je cherchais Ishikor et après j'ai fermé les yeux, j'ai cliqué au hasard. En Irlande. Et... C'est ma strat de dernière chance. Ok, vous êtes prêts? Yes. Yep. Oui. Yep, 3, 2, 1, go. Allez. The Lions Pub. Du coup, avec des beaux lions devant, là, on a l'air d'être en Grèce. On a l'air d'être en Grèce, ou alors on est dans un délire. On est dans un délire, sinon... Babetta Café, on est peut-être genre... C'est cyrillique, ça, ou c'est grec? Oula, ça, c'est cyrillique, ça. Ça, c'est full cyrillique, ça. C'est quoi, ça? C'est la mère patrie? C'est la Russie, là? Oh non, mais attendez, dégagez. Pourquoi on n'est pas en Emotone Lee, là? Attendez. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a... On s'est endormi, les modos, ou quoi, là? Vous me grondez. Putain, mais il n'y a pas de modos, là?
Attendez, je vous tège. C'est bon. Bon, au moins, je vois pas. Je vois pas. J'ai l'énorme logo Lyon Céréales. Ce que je disais, c'est que justement, ça, c'est le métro, ça. Ça, c'est le métro. Le truc, c'est... va falloir qu'on avance pas mal pour trouver peut-être des panneaux en anglais de direction, quoi. Avec des villes ou avec des trucs... C'est quoi, c'est Moscou, là? C'est... Je pense que c'est... Point PO? Non. En Pologne? Ah non, on est pas en Pologne, là. Moi, j'aurais dit Russie, là. Du coup, dans ce que je disais, c'est par rapport à Lyon. Le concept est assez cool. Ouais. Juste, c'est des maps world, diverse world, où juste à chaque fois, tu spawns devant un lion. Et c'est marrant, je trouve ça hyper bien foutu. Pour ceux qui se demandaient, du coup, quel était leur impact ou qu'est-ce qui se passait. MagicShow.ru. .ru, on est bien en Russie. Après, la Russie, c'est grand. La Russie, c'est sacrément grand. Ça, c'est l'occasion, clairement, un choc en Russie et c'est fini. Hein. Quand t'es dans des positions comme ça, t'as envie de petits endroits, d'endroits où il se passe pas grand-chose. C'est bon, vous êtes à nouveau cachés. Les Pénoc. En 2 minutes 40. Ah oui, il s'est passé trop de trucs, là. Ça c'est réussi ça, mais putain, un Népénoc. Il doit pas y avoir le métro dans toutes les villes. Hein. Moi je me mettrais bien ça. Cousin. Je vais te mettre du Moscou moi. Je vais t'envoyer du Moscou comme jamais. Hein. C'est pas Moscou ça, putain. C'est gigantesque quand même là. Ils ont des 4 routes. Ils ont des 4 routes vraiment gigantesques quoi. Ah celui-là il est pas facile. Hein. Celui-là j'avoue que c'est pas facile du tout là. Là celui-là putain. C'est quoi ça là-bas là? Ça doit être connu ça. World class. C'est pas du Mokba là. J'ai aucune idée. Hein. En vrai, je suis du père. Il n'y a pas tant de panneaux que ça là. En fait, t'as des panneaux mais qui t'indiquent ça quoi. Ouais. Peut-être Avatar, ils me disent un truc. Ils me disent rien du tout, ils s'en battent les couilles. Je sais pas, putain, je sais pas. Ça s'est écrit comment, Saint-Pétersbourg? Oh, si, il y a le métro partout. Alors, Kazan, il y a le métro, non? Comme de la belle... Ah ouais, mais ça... Je sais pas, hein. Je sais pas, je vais balancer. Oh? C'est quoi là-bas? 28 secondes. Je l'ai passé? Ah, je sais pas du tout. Je vais écouter s'ils disent des trucs, mais. Je vous mens pas, je sais pas du tout. Je vais mettre un Moscou, mais. En vrai, je vais même. On va la jouer un peu strat. Je vais mettre ici, comme ça, si c'est plus à droite, je perds moins de points. Je vais mettre Novgorod. Comme ça, si c'est plus à droite... Je suis un fils de... Nya, je suis trop con. C'était marrant. Yep. C'était... Pas du bien. Vous avez tous 5000 points? Non. Non. 4998. 96. 3500. 93. J'étais tellement pas persuadé que c'était Moscou que je me suis dit, je vais mettre la ville à droite, Novgorod, comme ça, si c'est Shepard au bout de la Russie, j'aurai moins de points. Ah oui, il y avait des trucs. Je suis un bouffon. Traduit. Moi, j'ai hésité entre Saint-Pétersbourg et Moscou, et j'ai pris un dé, je l'ai lancé. Et... si c'était en dessous de 3, c'était Moscou. Et si c'était au-dessus de 3, c'était Saint-Pétersbourg. Ça a très bien 3, joué, ça. Du coup, j'ai... Belle strat. C'est vrai, t'es voilà, je partage si vous voulez. Merci, là.
Tu faisais ça au début aussi, depuis le début. Non, 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 au début, je jouais bien. Petit lancer de dés. Mais là, j'aime pas la foi, là. Oh, je suis un tel bouffon. Okay. Je suis prêt, moi. Pareil. Prêt. Ok. 3, 2, 1. C'est fou, hein, comment je suis un plouc. Putain, je suis désolé, hein, vous devez vous taper moi, quoi. Je suis désolé pour ça. Hein. Booking Holiday, Reservation, ok. Kowloon. Red Roof. On est où, là? Là, on est clairement aux States, quoi, mais bon. On va aller là-bas, là. Prendre des petites infos. Oh non! Oh non! Essex, Maine, oulala, on est pas au States là. Essex, c'est quoi ça? Attends, ça dit quoi ce panneau là? Main Street, Wakefield. Wakefield. Ah non, mais je crois que je vais pas suivre. Ah, c'est bon. Attends, parce qu'il y a plein d'infos. Ah, mais c'est infernal. C'est infernal, frérot. On s'en sort pas, je peux pas avancer en fait. Genre, je suis rollback. On est où là? C'est bizarre qu'il y ait pas de. Y'a pas d'informations genre Main Street Wakefield, t'as pas genre de route entre guillemets. C'est le Canada ça? Ah non, North. 1 mile. On va suivre tout droit. On va suivre tout droit. On est sur la route 1. Il faut des croisements là. T'as pas de Midwest Grill. On est dans du bon au milieu de nulle part là. Melrose. Putain, c'est. Enfin, au milieu de nulle part. Non, on n'est pas vraiment au milieu de nulle part, man. Bah, Midwest. Ouais, c'est. Le truc, c'est que je sais pas exactement ce qu'ils entendent par Midwest. Je vais juste continuer, comme ça, au moins. Melrose. Mais Melrose, c'est archi connu. Stoneham. Le truc, c'est qu'en fait, on est sur des. Il me faut de la. Faut qu'on fasse du kilomètre. Faut qu'on fasse du kilomètre, sinon je vais me bloquer. Walnut, 129 ouest. C'est pas des routes... 129 ouest. On n'est pas sur des routes... Uber, Market... Mais on est où là, en fait? On est dans une ville. Mais on... Parce que le Midwest, c'est quoi? C'est le milieu, quoi. North 1, 1 mile... Tu vois, c'est pas les routes bleues. Moi, j'ai confiance que dans les routes bleues. Il me reste deux minutes. Pas ouf, là. Hein. Je vais au nord. Là, on est en train de longer, quoi. Je crois que les... Comme ça, il peut y en avoir plusieurs. Ouais. Melrose. Non, mais là, putain, on va juste faire un tout droit éternellement, quoi. Gloucester. Tu vois, il me fallait juste un 95. M'en dites pas plus. Gloucester. South 95. J'ai déjà vu en plus. 94, 1 minute 18, Washington, machin, Eugène. Do you feel it coming? It's gonna be a choke. I'm gonna choke this hard. C'est pas le bon plan. Pour aller au sud, c'est 80. Midwest. Midwest, c'est le Far West, c'est là, quoi. Si je la trouve pas, c'est fini. Je vais pas vous mettre de presse, mais... Je la trouve pas. Je vais me frapper. 95. Waltham, Gloucester. Envoie du Gloucester. La route 1. 95. 1.
Florence, Mactume, machin, la 1, la 1, la 1, la 1, 128, vingt-six kilomètres. Il a bien caché le Saugus. Oh non, je suis planté. De... Moi, je veux rien dire, moi. J'ai fait 434 points. Oh merde. À les États-Unis, c'est coup dur. Ouais, hein. Ça pardonne pas. Moi, j'ai fait 1700 kilomètres. Ah, le 1000 kilomètres, là, il a pas mis bien. 1700 points. C'est Boston qui m'a mis trop bien, sinon j'étais dans la merde. Ah, il y avait le panneau. Boston, ouais, j'ai vu un panneau Boston, ouais. Trop bien, t'as jamais vu. Il y avait un Boston. Vous l'aviez vu, je l'ai pas vu, moi. Heureusement. Qui roulait, et il y avait marqué Massachusetts sur le camion. Tu ah ouais, toi, t'as mangé bien. Moi, j'ai vu Melrose, je me suis dit, attends, mais Melrose... T'as mis Californie ? Non, non, après, j'ai vu East, du coup, je me suis rapproché un peu de l'Est. Mais je suis quand même loin, très loin. Ah, ouais, galère aussi. Apparemment, je suis passé devant Boston, je l'ai pas vu, donc... Ouais, moi, je vois rien, là. Ouais, c'est dur, parfois. Parce qu'en plus, ouais, comme tu cherches un peu partout, il y a le truc de panique et tout. L'état, je l'ai jamais vu. Hein, vraiment. Mais tu sais qu'à force de jouer. Hey, c'est... Ouais, je pensais, moi, c'était tranquille. Ouais, ça fatigue. Ah non, mais, c'est fatiguant, mais tu sais qu'au début. Au début, ils voulaient qu'on... Enfin, que la soirée, ça soit 8 maps. Je leur ai dit, bon, c'est peut-être, peut-être que 8 oh maps. Ah ouais. Peut-être qu'on part en erreur sur 8 maps. Genre là, je me déplace plus lentement. Ah ouais, ouais. Ah ouais, moi, je vais trop lentement, je vois plus rien. Surtout là où t'as tellement d'informations, t'as des pubs partout et du coup t'as tellement de choses, ouais. Même plus regarder en fait. Merci Miss Meiko pour juste le juste tu mets ton score Camel et on trace. Ouais, t'inquiète, côté il va le mettre. C'est que c'est côté qui met les scores. Trop, ah, trop fort côté. Ok, ouais. Trop fort. Putain, et ben... l'un qui récupère le podium là-dessus. Ouais, aïe, mais pas aïe, global, aïe. Mec. Pas global du tout, mais bon. Étoile, il est loin. Loin. Oui, c'est envolé là. C'est, ah ouais, c'est 5000 points d'écart là, c'est. Yes. Chaud. Courage. On verra. C'est un marathon, mental, hein. Joué à la fin. Allez, 3, 2, 1, go. My bad les potes pour Boston. Coup dur, j'avoue que c'est pas facile, hein, parce que je vois pas mal de messages me disant que je regarde pas assez, etc. Le truc, c'est que c'était un peu toujours dans un entre-deux. Soit tu tapes tous les panneaux et parfois sur tous les panneaux, bah t'as très peu d'informations. Du coup, t'es souvent en train de chercher beaucoup et en même temps, tu te dis putain... Où est-ce qu'on est ? Une grosse ville d'Amérique du Sud, là ? On va essayer de donner le max, hein, de toute façon, jusqu'au bout, là. Comunaun. Grosse ville, là. Je sais pas où on est, mais... Apparemment... Adouana. Siadi. Adouana me dit rien. C'est une gigaville, putain. Ça a l'air incroyable. Del Barro. Nuevo Presidencia de la Nación, Buenos Aires. Ok, on est à Buenos Aires. Du coup, la question maintenant, c'est où sommes-nous dans Buenos Aires ? C'est déjà pas mal. Azucena, Villaflor, ok, donc là, en gros, on va à l'ouest, ouais, on va à l'ouest, peut-être la 7, là, je sais pas comment, à voir exactement, déjà, avoir la ville, c'est bien, on va voir, on va essayer de gratter un podium, hein, mais bon, on donne le max, quoi qu'il arrive, on verra bien pour la suite. Avenue Belgrano, Azucena, Villaflor. Ça aurait été beau, hein. Ça, c'est... Alors, Belgrano. Ouais, pas forcément facile le moment où... Le truc, c'est que je me dis c'est un gauche-droite, donc bah, je check un peu les rues en gauche-droite, quoi. Ce qui est assez... Temperley. Ah, la Nus, c'est le club de foot, non ? Je savais pas que c'était dans Buenos Aires.
Bernard Rodriguez. Merlo. Carlos Kirchner. Estanio. Est-ce que ça vaut le coup là d'être en Pedrito Moreno? J'ai pas un truc Graal Pass là? Avenue Madero et Avenue Centro. Ah mais il y a des avenues partout. Il y a même des avenues. Tout s'appelle avenue. Tout s'appelle avenue. C'est peut-être pas bon plan. Mais on n'a pas passé. C'était pas un pont ça? C'est quoi ça? C'est rien du tout, non? Non, c'est rien du tout. Ouais, tout s'appelle avenue, donc c'est quand même une info assez, assez importante, là. Ok, comment on peut se rapprocher un peu? Là, je vais pas prendre beaucoup plus d'infos, quoi. Là, on n'est plus dans le... Là, je spawn, je suis face à ces bâtiments. On est sur une place au Lyon. Si je vais par là, je chope quoi, là? Ah, il me faut de l'avenue, là, en fait. Hein. Mais attends, mais là, déjà. Attends, ça, c'est quoi, là? Ça fait penser, on dirait qu'il y a de l'eau, là. Il n'y a pas d'eau, mais on dirait qu'il y a de l'eau. Putain, ça va jouer là-dessus, en plus. Généralement, c'est dans le sud, les... Pff, ça va rien dire, ça. 12 d'avril... Belgrano? Camino Belgrano? Ah mais c'est Camino, moi j'étais avenue moi. Ouais. Moi. Là gros rond-point, mais gros rond-point c'est pareil. Le moment où t'es là-dedans, gros rond-point, bah, ça peut tout et rien dire quoi. Vingt secondes, ça devient complexe. Y'a pas une avenue là? Non, y'a pas d'avenue, je fais de la merde. Je l'avais très vite, j'ai perdu beaucoup de temps. Je vais mettre un peu plus au centre. Je vais me mettre là. 4979, je gratte 8 points à un link. Ah putain, c'était vraiment sur... Ah et ça c'est Azucena, Villaflor, et là Belgrano. Ah mais c'était dur. Hein. Honnêtement, j'aurais pas eu, je pense. Je prends 62, je prends du point. Putain, je te gratte pas assez Link, là-dessus. Là. Ouais, j'étais pas bien, mais pas mal non plus, quoi. J'ai fait avoir par un panneau, il y avait écrit la Ciudad de Cordoba. Ah ouais, oh coup, merde, oh, c'est horrible. Je suis allé à Cordoba en Argentine, dans ma tête j'étais trop bien, je me dis mais personne va le voir. C'est horrible. C'est tout droit. Mais moi j'essaie parce que j'ai jamais vu le nom de la ville, donc... Yes. Ah bah là, là clairement vu les scores étoile, là c'est chaud étoile, sauf bien, si bravo. Fais, ouais, sauf s'il y a un 200 et angle droit 5000. Ouais, j'y crois moyen. Ouais. Étoile il est trop chaud. Étoile il est bruyant. Ah, il est trop chaud. Après la deuxième place ça peut se négo hein. Si angle droit loupe un peu, Clink réussit bien. Si Link loupe un peu, que moi je réussis. Attention. Ouais. La deuxième place elle est assurée. Kamel. Vas-y, le dernier. Vas-y. 3, 2, 1, go. C'est vrai que j'ai loupé la mer. Bon, allez, ça serait bien là. Ça serait bien au moins qu'on y croit quoi. C'est quoi ces routes là? On roule à gauche déjà? Où est-ce qu'on roule à gauche? Afrique du Sud, on roule à gauche? Afrique du Sud, on roule à gauche? Je suis pas sûr quoi. En Afrique du Sud, on roule à gauche. Si? Parce que là, on est clairement pas en Angleterre, quoi. Ça peut être un délire un peu... Ral Avenue. Inter, j'étais passé au-dessus de l'eau. La sauce. Aïe, 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 mais... Liba, Houseboat... C'est clairement du délire un peu sud-africain, ça. Moi, là, je sens bien l'Afrique du Sud, là. Dans l'ensemble, Country River Village. Il y a clairement un look où c'est pas choquant d'être en Afrique du Sud ici, quoi.
Après, ils ont plus de panneaux verts. Je suis perdu. Hein. C'est quoi ça? Fire machin. On va partir de l'autre côté. Ça, je suis allé là-bas. On va partir par là. Où est-ce qu'on est là? Attends, ça, c'est quoi ça? Renmark, est-ce ça? Renmark, Murray Avenue. On est où, banking machin là? Où est-ce qu'on est? Où est-ce que ça roule à gauche et ça écrit. Moi, t'es aux États-Unis, mais t'es pas aux États-Unis. Nouvelle-Zélande? Australie? Australie? Ah, Australie, ça peut là. Australie, il roule à gauche? Je sais pas qui roule à gauche, moi. J'ai aucune idée de qui roule à gauche, moi. Ça peut être un délire un peu australien, quand même. Hein. Ça, parce que j'avoue que je disais Afrique du Sud, mais t'as ce même délire un peu palmier, un peu... Il y a moins de palmiers, d'ailleurs. Putain. Après, où est-ce qu'on est en Australie, quoi? Si, on est en Australie, quoi. Ça, c'est pas donné encore, quoi. Town Center. Ah, je pense qu'il faut que je retourne. Est-ce que c'est des villes... Brisbane, Adélaïde, Perth, Darwin, Alice Springs. On va aller par là, là. Là, mon pote, on avait les villes en plus, je suis con. Mais là, c'est all-in, hein. Oh, on va être en Afrique du Sud, je vais avoir envie de me tuer, quoi. Australie, ça roule à gauche? Oh là là. Renmark, mais il y a du Renmark partout, quoi. Il y a du Renmark partout. C'est quoi, Renmark? Si grand que ça, Renmark, ça peut l'air grand. Hein. Ça a l'air d'être un peu quand même. Tu vois, genre bord de mer, quoi. Pff, mon cul, ouais. Bon, 1 minute 17, j'aurais dû avancer plus pour choper des gros panneaux. Pour choper des panneaux de ville, ça, c'est l'erreur que je continue à faire. Oh! Oui? Paringa, Mildura, Berry, Adélaïde, à 20. Adélaïde, j'ai vu en bas. À 20. Renmark. Ya 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 ya. On verra. On verra si Link prend du Puntos. Mais en tout cas, on aura fait ce qu'on a à faire, nous. Westpac. Ah ben là je suis con, il y avait l'adresse. Il y avait l'adresse tout à l'heure. 180 Murray Avenue. C'est exactement là. Westpac, on est juste ici. C'est un 5000 points. C'est un 5000 points. Oh j'ai bougé. Voilà. Oh étoile. Yes, je l'ai eu. Link, je veux te mettre aucune pression, mais sache que je t'attends. T'as fait 5000 ? 5000 ouais. Tout pile. Sache que t'es à GG, je ne savais pas qu'on était en Australie, voilà, c'est fini. Et t'es où ? Tu visais les États-Unis ? Ah ouais, mec, je savais pas. Ah, moi, je trouvais un panneau point AU et je cherchais dans les... tu sais, les États. J'ai dit, mais y'a pas de... ça. Et après, j'ai vu un truc gouvernement Australia. Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage. GG. Tout dépend d'angle droit aussi. Je suis dégoûtée, j'ai voulu changer mon point au dernier moment. Et genre, pile au moment, ça s'est arrêté le timer. Et du coup, j'ai dû perdre, je sais pas... Oh merde. Aïe, 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 ça te met bien, ça. Est-ce que le requin... Est-ce que le requin va gratter une deuxième place? Je crois que oui. Dites-moi plus. Dites... Aïe, 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 aïe. L'escroquerie. Oh les 400 points. L'escroquerie a un nom. Aïe, 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 aïe. Blue Joker, merci. C'était pour le Prime. GG. Oh putain. Oh là là. Oh, j'ai chaud au cerveau là. Wow. Ah ouais, c'est. J'en peux plus. Ok.
que je m'aère l'esprit. Enlevez le sommet, enlevez le sommet, on vient de faire tout le tour, on a été à Chine toute la soirée. Je sais partout. C'est la deuxième place, messieurs dames. Sixième map là. Je connais toute la planète. Toute la France, toute la planète. Putain, Kamel, t'avais si bien démarré, t'as fait 2 et 2. Ouais, non, j'ai fait, mais j'ai même un moment, j'étais premier et tout. Ah putain. Après, j'ai choqué. Moi, je t'ai dit, la France, c'était trop, trop dur. La France m'a sapé le moral. Elle m'a explosé. Pareil, pareil. Et après, j'étais plus dedans. Trop dur. Parce qu'en plus, tu passes de premier, deuxième à égalité, à dernier et avant-dernier à égalité. On s'est tout fait voler en deux secondes, j'ai l'impression. Moi, vous avez été plus régus. Moi, c'est l'inverse. En fait, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils n'étaient pas ridicules non plus sur les premières maps, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que nous, on a full choke là, à la fin, quoi. J'avoue, au tout début, quand j'ai commencé et que j'étais genre 5000 points derrière tout le monde, je t'avoue que chaque truc j'avais faux, j'étais en mode ok, bon, bah ça va être une belle soirée. Merci. T'as vu le nombre de points qu'on a d'ailleurs ? On a combien ? On a genre 300. 306 points. 300 et quelques points. Ah, ça, je suis à 306 points, putain, le mode de ouf. Ça s'est duré une seconde. Je suis désolé parce que j'avoue, je suis content en droit, alors que ça, c'est un truc de clic, putain. Félicitations. Mais t'as fait zéro Link là ? Ah ouais, non, mais j'étais pas en Australie moi. Ah ouais, putain. T'es mis où, du coup ? Juste aux États-Unis, je sais pas où, au hasard. J'avais rien. La route, ça ressemblait de ouf aux États-Unis, hein, en vrai. Bah, en fait, ça roule à gauche. Ouais. Ça roule à gauche, tu vois, en fait, mais j'avais pas vu. Moi non plus, j'avais pas fait attention. T'as le permis ? Non, parce que moi j'ai pas le permis. J'ai pas ces réflexes. Moi ça me choque pas quelqu'un qui roule à gauche. Moi je vais des voitures, ça ressemble. Ça a grave un air des States. Il y avait un drapeau que je savais pas si c'était la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais je me suis dit ça doit être l'Australie. Mais sauf que des fois t'as des drapeaux qui n'ont aucun rapport avec le pays et c'était le seul en fait qu'il y avait. Ah, ça devait vraiment être le prank quoi. En fait, tu sais, il y avait le drapeau et il y avait Adélaïde à côté. Ah, ah, je suis tombé là-dessus après moi. Ah oui. Tu m'as Adélaïde et du coup je me suis dit c'est le moment d'y croire. Ah, mais bravo Étoile en tout cas, parce que j'avoue que ouais, on parlait de trucs, or que t'as explosé le truc avec 117 000 points. Ta clutch. Merci. Franchement, le marathon, t'es chaud. Et en plus, ce que j'ai trouvé cool, c'est que souvent, tu sais, tu te rabaisses parfois et tout. Là, t'es arrivé en mode, on vise la victoire. Là, ouais. T'as pris la victoire. Bravo. Honnêtement, tu défoncer, tu bien joué, bien joué. On change, mec, on change. C'est bon, faut arrêter. Rayou le boss. C'est vrai. Je fais trop chier avec ça à chaque fois. Ouais. À chaque fois qu'il vient faire le modeste, je lui dis, mon gars. Le bon élève qui a 18. C'est la victoire, c'est bon. Là, ça annonce le 18, ça le sort. J'avoue que c'est 117 000 points sur 125 000, du coup. La régu. J'avoue, le Pérou, ça m'a fait transpirer un peu, mais... Non, j'avoue, sur 125 000, c'est ouais. Bon. C'est énorme. Ouais, c'est trop bien. Ouais, sachant que t'as eu un 668, quoi. Qui, c'est un joueur de Ligue des Champions, les mecs. Hein. Le Pérou. Il y avait un très grand avec nous ce soir. Non, c'était trop cool, en vrai, à jouer. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Ouais, là, on remarque, en vrai, solide. Grave. Ouais, en vrai, ils sont trop malins, Lyon. Ils sont vraiment trop malins, parce que l'idée est vraiment bonne. Ouais, puis même, c'était cool de le faire avec vous. Même pour nous, c'était cool, je trouve. Tu sais, c'est pas le truc où tout d'un coup, on doit s'arrêter pour parler d'une marque ou faire un truc abusé en mode sponsor. Je pense pour les gens et tout, ça faisait un petit truc placé qui est sympa. C'est discret, c'est bien. Et j'avoue que j'ai passé une super soirée. J'avais jamais joué, je crois. Bah, Link, Kamel, on n'avait jamais joué à GeoGuessr. Angle droit, on n'avait jamais stream du tout ensemble. Et c'était un vrai plaisir, en tout cas. C'était trop cool, ouais. C'est vrai que c'était bien, c'était chill, tranquille. Je me demande trop le temps qu'ils ont passé à trouver des statues qui, des fois, sont assez discrètes des lions, tu vois. C'est ouf. Ouais, bah déjà, il y avait le graffiti déjà au début, ça, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, ouais, ça, ouais, c'est vraiment. Genre le Lion Pub en Russie, il y avait des petits trucs qui étaient en mode what the fuck, quoi. Pour ceux qui se demandent, du coup, ouais, vous pouvez, si jamais vous avez des idées, même près de chez vous et tout, je crois qu'ils veulent étoffer la map, justement. Quelle map, Kamel, déjà ? Je crois bien que c'est celle-là. C'est mon rôle dans la soirée. Hein. Et du coup, vous pouvez envoyer et vous pouvez aussi jouer. Je crois que c'est dispo. Mais, elle est publique, ouais. Mais écoute, ben merci beaucoup, en tout cas, à vous quatre. C'était très cool. Ouais, pour merci cette à tous. GG, hein, vous avez tous été extrêmement solides. En vrai, bien joué à tous. J'ai eu un petit espoir. Les streamers français sur GeoGuessr, mais le niveau, quoi. Franchement, on est injouable, je pense. On devrait tous s'unir un jour contre des Européens, des streamers d'autres pays, là. Et on leur casse la gueule. GeoWizard, on le fume. Faites la Coupe du Monde, hein. On ramène notre Antoine et on leur fout dans la gueule. Vraiment.
Du coup, bonne soirée, étoile, tout le monde, étoile, t'as plus d'infos juste sur tout ce qui est promotion pour la Ligue 1, etc. Faut. Je pense que tu peux passer en Ligue 1. Il y a une deuxième phase de qualif. Okay. Non, je pense que tu peux passer en Ligue 1. Là, faudra qu'on parle au président de la Ligue qui est d'accord pour ajouter des nouveaux transferts. Et... Je vais candidater. Ah, bonne chance là-bas. Ah, Kamel, tu restes en Ligue 2 quand même. Moi, je reste en National. Pas de relégation cette année. Elle fait plus de 100 000, c'est bien, on a tous fait plus de 100 000 et nous, et sur les premiers challenges qu'on faisait les dimanches, on n'était pas tous à passer les 100 000 à chaque fois. Hein. Après, peut-être c'était des maps un peu plus difficiles. Non, mais clairement, le Diverse World que t'as fait, Kamel, là, tu sais, le World que t'as fait, franchement, il était lourd de ouf. Hein. Ouais, t'as fait beaucoup de points. Hein. Le truc, c'est qu'avec la Roar Map, en général, les statues et tout, c'était plus dans des grandes villes. Ouais. Donc ça aide. Ouais, rien que pour eux et tout, ça devait être plus... Ouais, c'est ça, des fois, dès que t'es en centre-ville, t'as trop d'infos, c'est game. De ouf. Alors que quand t'es en forêt et tout, genre, tu comprends rien du tout. Il y a un panneau, il faut le comprendre, sinon c'est mort. Exactement. Bon bah vas-y, bah écoutez, bah très bonne soirée, puis... Ouais, bonne soirée. Merci beaucoup Lyon d'avoir sponsorisé ça. Merci Lyon. Soirée merci comme Lyon. Ça, on en veut plus, c'est archi propre. Hein. On se refait une revanche quand vous voulez. Si vous voulez ça. Est-ce que l'étoile va regagner la prochaine soirée? Oh là là, c'est le suspense. Vas-y, ciao, bonne soirée tout le monde, bon week-end. Salut. Vas-y, ciao, salut. Merci, bonne soirée.